Je suis présentement en tournée avec euh, mon one-man show noir. Si tu te demandais quoi faire à soir, je suis probablement en show. Si tu as downloadé cet épisode-là, le jour de sa sortie, je suis présentement à Brassard. Je suis à Brossard les 29, 30 et 31 octobre. Euh, après ça, au mois de novembre, le 1, je suis à Saint-Bruno, le 2 à l'Assomption, le 7 à Laval, le 8 à vallée le 9 à Saint-Jérôme, puis après, partout. Je suis partout. Va sur mikeward.ca pour des billets. Pas de côté, merci yes. beaucoup d'être là. Ben, je te remercie de me savoir. Je suis vraiment content. <laughs> Puis, on, on parlait un peu avant de rentrer en ondes. Euh, J'ai appris que euh, tu avais été dans l'armée. Yep. Je, je l'avais entendu, ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que tu avais été dans l'armée tu sais, un an ou deux, mm -hmm. mais tu as été six ans. Oui. C'est quand même long. C'est quand même long. Écoute, comme, comme je te disais, là, je ne regrette pas mes années-là. Je ne retournerai pas là, parce que, en tout cas, ça a peut-être changé aujourd'hui. Mais quand moi, j'étais dans ce temps-là, moi, je suis sorti en 2004. C'est une compagnie qui était extrêmement mal gérée. Il y avait bien trop de boss là-dedans. C'était un, okay. une armée de papier aussi. Tu rentrais des papiers, puis là, ça revenait dessus du top, ça revenait en dessous. Euh, mais écoute, c'est une expérience de vie que j'ai eue assez incroyable. T'sais, tu ne peux pas vraiment faire ça ailleurs que dans l'armée. Euh, mais j'ai fait ça jusqu'en 2004. Puis après okay. ça, ben, j'ai brisé mon contrat. J'ai flippé un 25 cents dans les heures pour faire carrière dans, dans les combats, dans le fond. Puis ça, ça a quand même bien, ça quand même ouais, bien ouais, ouais. tourné. <laughs> oui, vraiment. Puis tu étais basé où? à Vaul quartier. Moi j'étais okay. fantassin donc euh, soldat de première ligne dans, ouais, le, fond, ouais, euh, dans le 22e. Oui, exact. Où ce que tout le monde va, où est ce que pas d'éducation, ben, c'est là que tu rentres okay. <laughs> dans l'armée. <leur main. rire> Moi j'avais eu quand j'avais été en Afghanistan, les gars du 22e m'avaient donné une badge pour mettre sur mon côte, puis m'avaient dit mets-toi ça sur ton côte, n'importe où tu es sa si tu es dans la merde, on va te trouver, on va venir t'aider. Puis je l'ai porté euh, longtemps. Okay. puis Je me suis souvent mis dans la merde puis ils sont jamais fini. <laughs> c'est ça, j'attendais la fin de l'histoire, je me disais, ils hey, sont-ils vraiment amenés de chances? Écoute, charger. parce que moi, je sais pas c'est quoi cette badge-là, mais il y a peut-être une nouvelle, mais écoute, euh, c'est ça. J'étais dans le 22e dans Val-Cartier. j'étais basé au 2e bataillon, puis j'ai servi en Bosnie en 2002. Euh, puis, euh, écoute, ça a été une expérience euh, de vie vraiment, vraiment cool. Sauf que, euh, comme je te dis, je retourne retournerai pas. T'avais-tu une blonde dans le temps? Oui. Fait que le 7 mois parti, euh, est-ce que tu, tu revenais à, après trois mois? mois. Okay. Oui, exact. Après 3 mois, on revenait à la maison. Puis, euh, puis c'est ça, puis on retournait pour un autre. Euh, 3-4 mois. Là. Ça, ça doit être dur pour, euh, pour un couple, pareil. Bien, c'est pas évident, c'est sûr. Euh, écoute, euh, ça prend j'imagine ça prend de la confiance. Mais tu sais, moi, j'avais 22 ans dans ce cas ben, ça prend là, de la là. confiance de la part du gars plus que de la fille. Tu sais, elle, elle sait que tu vas pas en bosnie me là, <laughs> C'est vrai, c'est sûr mais écoute, je te dirais, les Bosniaques sont pas si laides que ça. Non, je suis qu'ils ouvrent leur bouche, là, parce que l'hygiène le, 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 le buccale n'est pas extraordinaire. il reste ah, deux trois dents dans la bouche, là. Mais à part ça, tu sais, ils sont, sont pas si laides que ça. Mais écoute, j'avais 22 ans, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, tu sais, la confiance, là, Rien à dire contre la, la fille que j'étais avec dans ce temps-là, sauf que, tu sais, faire... Je, pense, je pensais pas faire ma vie avec elle okay. donc, quand même à 22 ans. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est là que tu as commencé à faire euh, les arts martiaux. Où si tu euh, Par ça, j'ai vu dans ton Wikipédia, ton Wikipédia français et anglais sont les deux différents. Ton, ton français... <laughs> dit que Parce que le français, c'est moi qui l'ai écrit, pour ça. Okay. Non, non, <laughs> Mais ton, ton anglais dit que t'as commencé à 16 ans euh, à faire euh, des arts martiaux. Puis en français, ça dit à oui, ben c'est. En français, c'est bon. Euh, j'ai commencé ça sur le tard. 19 ans? Tabarnac! Tu dois être le seul qui a commencé vieux de même, qui s'est rendu loin. ben dans ce temps-là, pas tant que ça. C'était pas si populaire que ça aujourd'hui. Euh, dans ce temps-là, tu sais, moi j'ai commencé un, Mon premier combat, j'ai fait en 99, je pense, amateur. Mon premier combat professionnel en 2000. Je te dirais quand je suis revenu de la Bosnie, là, 2003. Okay. Fait tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas. Euh, C'était pas super populaire. Là, je me souviens, dans mes premiers combats, je me suis déjà battu. Euh, au colibri à victoriaville ouais. dans le sous-sol du colibri puis on n'avait pas le droit de lever notre adversaire dans les airs parce que le plafond suspendu était trop bas puis il y avait des des, des, des jinklers euh, quand il y a du feu là, de ah. partir. Fait que tu pouvais pas lever ton adversaire dans les airs parce que tu passais à travers le plafond suspendu j'ai commencé vraiment euh, tu sais c'était c'était là au début là fait que c'était pas si populaire que ça puis il euh, y avait pas vraiment de… Il n'y avait pas vraiment de gym comme aujourd'hui qui a explosé à gauche à droite. Fait Au début, toi, quand tu as commencé, euh, c'était souvent. C'était-tu dans les années encore que c'était genre un gars qui était, mettons, un boxeur contre. Un gars qui maîtrisait juste une manière de se battre? Euh, oui, puis tu avais souvent des doormans contre des joueurs de hockey aussi. Okay. <laughs> des, des, des patentes de Tu C'était des, des toughs contre des toughs. T'sais, c est, c est le sport, moi j'ai évolué avec ce sport-là à travers les années j'ai fait 15 ans dans ce sport-là, fait que j'ai vu l'évolution de ce sport-là quand même, mais au début c'était n'importe quoi là. T'sais, mais puis en plus c'était n'importe quoi, moi quand j'ai commencé, c'était quand même pas si pire mais quand ça a commencé pour vrai en 92, 93, 90, ouais, alors, ouais, là, ça c'était n'importe oh, quoi, là. ça ça avait pas d'allure ouais, c'était magique, t'sais, là, mettons un lutteur sumo tu ah, oui, me rappelle mais... sais-tu dans UFC 1 qu'il y avait un lutteur sumo qui se battait <laughs> C était, c était, mais c'était le fun à regarder. Et ouais, mais... c'est ça. Lui, il a reçu un coup de, poing, un coup de pied dans la face. C'est euh, un Français à karatéka, puis il y a une dent qui a volé à l'extérieur de la cage. Tu sais, c'était brutal. Tu avais trois règlements. Tu n'avais pas le droit de crever les yeux, tu n'avais pas le droit de graffiner, puis tu n'avais le droit de mettre des doigts dans aucun orifice du corps. Okay. C'était ça, les règlements. Le reste, tu avais le droit de tirer les cheveux, tu avais le droit de cogner. Tu n'avais pas le droit de mordre, tu sais. Mais tu n'avais pas le droit de, t avais, t avais le droit de cogner d'un couille. Euh, si tu veux voir un combat vraiment bizarre, là. Joe Sun contre Kate Acne, je pense que c'était au UFC 1 ou 2, ils sont en, comme en position à terre, puis l'autre fait juste échoter d'un gosse au moins, à peu près, au moins 12 fois. Okay. Puis, tu sais, c'est légal. Il n'y avait pas de problème avec ça. Puis au UFC 11, ils ont changé le règlement. Ils ont mis un nouveau règlement c'était pas le droit de lancer ton adversaire à l'extérieur de la cage. Parce que Tank Abbott avait, avait essayé de faire ça, je pense, au UFC 9 ou 10. Il avait essayé de, de le prendre de le putcher à l'extérieur de, de la cage. Parce que la cage était à 4 pieds et non pas à 6 pieds. Puis là, après ça, ben, ils ont mis ce règlement-là. Ah, ça, ça a commencé assez… Euh... Ça, ça j'ai l'impression que ça l'a aidé à rendre le sport populaire rapidement. Mais après, ça a été long avant de pogner de la crédibilité. Ouais. Que, que le monde voyait ça. T'sais, au début, c'était euh, des combats extrêmes qu'on appelait ça. Exact, c'est ça. Puis aussi, ça doit être tough. J'ai l'impression qu'un combat, un coup que le combat est fini, d'habitude, tu as un respect pour ton adversaire, mmh. mais un gars qui t'a donné 14 coups de poing d'un coup, il... T'sais, ça doit, <laughs> ben, doit C'est sûr que ça doit être dur à, à pardonner, là, mais <laughs> en même temps, ça faisait partie des règlements. T'sais, je ne sais pas comment c'était le, le, le sport dans ce temps-là, comment que les gars se respectaient. Euh, c'était au bas de l'échelle. C'était vraiment des combats de gladiateurs. C'est de la boucherie. Là, pour oh, même, là. Ouais. Euh, je me souviens quand Royce Gracie avait terminé Kimo Leopoldo euh, par un étranglement triangulaire un étranglement dans le fond à terre. Là. Il avait tiré les cheveux puis il avait arraché la couette qu'il avait pour l'amener. Dans l'étranglement. C'était n'importe quoi, ah ouais. c'est de la boucherie solide. <laughs> Puis tu as raison, ça a pris du temps avant que ça devienne accepter au niveau de la population parce qu'on n'était jamais capable d'arriver dans, un, dans un, un, un réseau de télévision qui acceptait de passer ça pour que ça soit, ça soit vu aux yeux de tout le monde. Donc, euh, tu sais, ils en ont, ont fait un gala, pas de l'UFC, mais ils en ont fait un gala ici euh, dans les années 80, dans les débuts des années 90 à Kanawaki. Puis ouais, tout le monde, ouais. quand ils sont sortis, se sont tous fait arrêter, puis ils ont tous passé une nuit en, en prison jusqu'à temps qu'ils qu relâchent. Là. Juste mais, pour avoir. Euh, ouais. Ouais. Juste pour aller voir ou, ou non, les, non, combattants. les combattants. Les combattants, okay. ouais. Mais, me semble, si tu es pour arrêter les combattants, arrête le monde qui va regarder. Mais tu sais, en fait, arrête personne. là. Ben, mais tu sais, c'était pour être ridicule à ce point-là. Ben oui, mais écoute, c'était tellement... Y avait... Parce que c'était pas régie dans ce temps-là. Il oh. n'y avait pas de régie, il n'y avait pas de, de test, il n'y avait pas... Tu sais, avait pas rien. Là. Le monde arrivait et puis se mettait des... Tu sais, comme... comme dans les films de, de Rambo, ils se mettaient des cordes autour des, des, des points. Et puis, tu pas obligé de mettre des gants non plus dans ce temps-là. Puis, il y en a un qui s'appelle Art Jemerson, il se battait avec un gant de boxe, puis un autre qui avait pas de gants. Ouais, fait que là, lui, c'était un boxeur, il pensait qu'il avait ouais. révolutionné le sport, il s'est fait torcher. Là, lui, lui, il avait une main, pas de gants pour pouvoir. Il se disait, je vais prendre le gars par le collet, même s'il n'y a pas de collet. Là. Mais ça. je vais le prendre dans la main et je vais le puncher. C'est ça, exact. Il y avait un gars de boxe, puis lui, écoute, je pense qu'il a fait deux combats, mais il n'a jamais gagné. <laughs> Exactement. Surtout, un, te battre avec un gant de boxe, si l'autre n'a pas de gant de boxe, automatiquement, son coup de poing fait plus mal que le tien, tu sais, à, à force égale. Ben là. oui, puis tu t'en vas à terre, qu'est-ce que tu veux faire avec un gant de boxe? Là, ah Tu es, ouais, es, ben es, ouais. es, es handicapé, là, je te confirme. Oh, oui, ouais. Ouais. toi, mais toi, quand, quand tu as commencé, euh, c'était euh, le seul de connu ou, ou le plus connu au Québec, c'est David Loiseau. Oui, ben ça a été le premier qui s'est battu au UFC, David l'oiseau. Qui est impressionnant Tabarnak. Il a été euh, ouais, ça a été longtemps un des combattants au niveau du combat debout, là, le plus dangereux mondialement. Là, ouais, vraiment. Ouais. Là, il a fait sa carrière au niveau de la scène ca québécoise canadienne, puis quand il a fait ses débuts à l'UFC, il y a, a eu des débuts assez fulgurants. Il s'est battu pour le championnat du monde contre Rich Franklin, euh, qui a perdu une décision par saint rounds. Puis là, après ça, ben, sa carrière a été un petit peu plus difficile. Mais ça a été, ça a été pionnier. De, de nous tous, même avant Georges, avant ouais, moi, ouais. ça a été le premier qui s'est battu au UFC. Puis après, euh, toi, euh, tu as commencé, tu es sorti de l'armée en 2004, ouais. tu dis. Euh, Puis euh, fait euh, ton premier combat UFC, ça a été quand même vite. Hein? Ben, ça a été en 2004 face à Tito Ortiz, qui était. Avec... L'année que tu es sorti de l'armée. Ouais, exact. Ben moi je suis sorti, je voulais sortir de l'armée, j'étais supposé me battre au UFC, écoute, cette histoire-là est assez, est assez débile. J'étais supposé me battre au UFC 50. Le premier combat de la Succarte contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman, où ce qu'il n'y a personne dans les astrales encore. Que tu te bats devant une, une salle vide, L'après-midi. L'après-midi, exact. Oh. exact. Surtout à Las Vegas. L'après-midi, le monde ne s'est oh, ouais. même pas levé encore. Mais c'est euh... bon pour ton CV. ouais c'est ça. Sauf que quatre jours avant... Euh, le main event, c'est Tito Ortiz contre un gars qui s'appelle Guy Mesger. Guy Mesger, il a eu une stroke, un embolie euh, cervicale, ou en tout cas, whatever, une stroke. Oh, ouais. euh, puis euh, il a pas été de se battre. Fait, quatre jours avant, ils ont sûrement fait tout le roster pour savoir qui voulait se battre contre Tito Ortiz, qui était le poster boy dans ce temps-là, l'ancien oh, champion ouais. du monde. Et euh, finalement, ils sont arrivés au dernier qui était à moi, ils m'ont appelé et dit Veux-tu monter à quatre jours de vie face à Tito Ortiz ?» Qui, by the way, était mon idole dans ce temps-là, qui était sur mon screen-server d'ordinateur, puis qu'un an et demi avant, j'avais appelé mon Golden Retriever, Tito, parce que, il était blond, puis comme lui. Fait que, tu sais, cette histoire-là est assez, assez fuckée, mais oui, puis j'ai accepté. Puis finalement, j'ai perdu par décision trois rounds, mais j'étais supposé de rester là pendant 30 secondes. J'étais supposé de me oh faire ouais. défoncer. Puis finalement, ben, j'ai fait trois rounds. J'ai mangé 400 coups de coups d'en face, là. mais au moins, j'étais encore debout à la fin. Puis euh, Tidon OT, en plus, c'était dans la catégorie heavyweight. Euh, light heavyweight, de 205. Heavyweight. Ouais. Fait que par ça, ça, je me rappelle de ça. Puis, euh, je, je l'ai réécouté, genre, il y a une couple de semaines. Puis, c'est drôle de te voir que t'as pas de l'air du même gars. Tu sais, vu que t'as as, de l'air quasiment chubby. Ben, je l'étais. On m'appelait le Canadian Bacon parce qu'il disait, OK, il est bon, mais il est gras. <laughs> c'est exactement ça. Fait qu'on me disait, OK, le Canadian Bacon, on me disait que j'avais une pig skin parce qu'il m'avait donné 300 coups de coupe et que je pas fendu. Ah ouais. Puis, tu sais, mon commanditaire premier la, dans ce temps-là, c'était la mayonnaise. Je ouais, j'avais pas une, une, une éthique de vie euh, pour un combattant, euh, que ce soit pour la, la nutrition. Je m'entraînais fort, mais la nutrition, je passais ça 10 par de la tête. Puis au Canada, ici, en, 2000, en 205 livres, J'étais devenu champion canadien, J'étais capable de tirer mon épingle du jeu, mais international. Hey, J'avais l'air d'un enfant à côté de Stordis Fait après ce combat-là, ben j'ai descendu de quadrée de poids parce que les gars étaient bien trop gros, là, ça va pas Puis afin que tu te battais quel, euh, quelle catégorie? 170. OK. puis dans. Fait quand tu te bats 170, ça veut dire dans la vie de tous les jours, t'es. Euh... À 215 à peu près. Ah, hein. c'est ouais. fou raide, hein? Parce que tu sais, euh, deux mois avant le combat, ben là, tu commences à. tu commences à... à à rentrer dans la diète, à la perte de poids, puis je descendais autour de 190-192 livres. Puis le reste, c'était de la déshydratation. Je me déshydratais de 20-22 livres en 18 heures à peu près. Pour être ça la balance à 170, j'étais peut-être à 170 peut-être deux heures, pour vrai. Puis le lendemain, dans l'octogone, je remontais, puis j'étais autour de 190-192 aussi. sais tu C'est-tu déjà arrivé que tu fait un... un T'allais faire un combat, puis t'as pas réussi à, à te rendre au poids? Non, jamais. Puis euh, une chance, parce que moi, j'ai tout le temps parlé contre ça, parce que je j'ai tout le temps dit que une, ça faisait partie de ta job de faire le poids. T'sais. Puis si tu ne fais pas le poids, tu as une, une amende monétaire. Tu donnes 20 de ta bourse à ton anniversaire. Il y a une fois, quand je me suis battu à Québec, euh, j'avais manqué un peu ma, ma diète. Puis j'étais arrivé à 196 livres. J'avais commencé ma, ma, ma coupe de poids à 196 livres. Donc, il fallait que je, je baisse de 26 livres en 18 heures. Tabard, puis man. à un moment donné, je me souviens, là, on est 45 minutes avant de partir à l'hôtel pour la peser. Puis là, j'étais à 172,4. Je suis à côté, là, solide. Là. Ça fait 24 livres que je coupe. Là. Fait que là, il me reste encore une, deux livres à peu près à couper. Là, là tu sais, t'as bien beau être le clown le plus drôle au monde, là, même si tu me fais une joke, elle n'est pas drôle. C'est sûr, <laughs> je ne rirais pas. Puis tu sais, t'es à côté. Puis la coupe de poids, c'est 10 physique, mais c'est 90 mental. Là, parce que tu es, as de l'inconfort, c'est vraiment rough. Puis tu sais, au niveau... Physique santé, c'est horrible. Tu es en train de mourir. Ben, es... Oui, c'est super rough pour le cerveau, super rough pour les organes vitaux, mais ça fait partie de la job. Mais en même temps, j'avais un peu j'avais manqué ma diète. Fait, on, avait, on avait fait mal nos calculs. J'étais commencé trop haut. puis Je vais tout le temps m'en souvenir. J'étais à 172,4. Puis après ça, ben là, j'ai fait les, les procédures comme qu'on fait d'habitude. Tu rentres dans, dans, dans le bain chaud. Tu, dans le fond, le principe c'est de faire sortir de l'eau du corps. Puis ouais. on était avec des cartes de crédit, on, on se pas à la peau pour aller chercher la goutte pour qu'elle tombe. C'est rare c'est. On était rendu là. Puis j'ai fait un autre 20 minutes. Dans le bain, après ça, en dessous des couvertes, dans un saut saut Puis là, je, je transpirais, je transpirais. Puis là, j'ai rembarqué sa balance. Puis j'étais encore à 172,4 après 20 minutes. Là, j'étais en train de casser vers elle. Puis finalement, euh, je faisais tout le temps ma coupe de poids avec les mêmes. Puis mon kinésiologue était tout le temps avec moi. Il a voyagé partout dans le monde avec moi parce que c'est important de faire ça avec les, les, les bonnes personnes qui te connaissent. Puis à un moment donné, il a appelé mon, mon nutritionniste, qui était Jean-François Gaudreau. Puis euh, il dit, OK, là, ça marche pas, il faut que tu viennes là. Puis quand Jean-François Gaudreau est rentré dans la chambre d'hôtel parce qu'il était en train d'aider quelqu'un d'autre, il est rentré dans la chambre d'hôtel. Là, j'ai un blackout jusqu'à temps que je mette le pied à sa balance sur stage devant 10 000 personnes. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ce temps-là. Fait j'ai une, il me manque une demi-heure que je ne sais pas pendant tout. Puis finalement, j'ai remarqué sa balance. 170 livres, ben, là, je flex en face de mon adversaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour descendre de deux livres? Je suis descendu en bas, pris l'autobus, on s'est en allé à l'Aréna. Et, et j'ai monté sur le stage, j'ai mis le pied sur sa, sa balance. Tout ça, là, j'ai aucun souvenir de ça. J'ai blackout, ben Tabarnak, ouais. c'est dans Mais Tu sais, moi, j'ai fait, fait bien des blackouts euh, <laughs> en boisson. Ouais. Qu'au moins, tu fais, ben, tu sais, c'est des affaires qui arrivent, mais un ouais. blackout d'envie. Non, tu sais, ça, c'est... Moi, moi je, par exemple, j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup de poids parce que je savais que j'étais capable de le faire. Tu sais 20-22 livres, pour moi, c'était quasiment un piece of cake, là. Pour vrai, c'était pas si pire que fait ça. Fait que toi, mettons, tu vois quelqu'un comme moi, tu sais, de chubby ou, tu sais... Moi, moi, au moins, je chiale pas, là, tu sais, mm -hmm. par je trouve qu'on a toute la shape qu'on mérite, mm -hmm. là. Mais quand on voit quelqu'un avec euh, une petite badine qui fait, moi je suis pas capable de perdre de poids à cause de mes glandes. Tu dois être ouais. comme tabarnak, j'ai perdu 26 <rire> livres <laughs> en me Ben écoute, puis souvent, tu sais, j'ai des amis qui, qui se battent encore, puis euh, des fois ils disent, ah, j'ai juste 10 livres à perdre, ben, pas juste 10, mais j'ai 10 livres à perdre, il faut que je me, je me déshydrate, puis là ils me regardent, et disent, ouais, c'est vrai, moi je pense à toi parce que t'as déjà fait 26 livres, puis yeah, ça, ça les motive un petit peu, mais euh, tu sais, c'est pas une question de langue, je, te... <laughs> je te confirme. Oh, ouais. Puis, y a-tu. Euh, toi, toi euh, fait que as commencé en 2004 euh, UFC, puis euh, t'as pris ta retraite en quelle année 2017. 2017, c'est quand même une très, c une très longue carrière. C'est une très longue carrière. Je suis le Canadien qui a le plus de combats dans l'action de l'UFC. J'en ai un de plus que Georges. Si on compte les combats que j'ai faits euh, quand j'ai fait la télé-réalité d'Ultimate Fighter, euh, écoute, j'ai été le premier Québécois qui s'est battu pour un main event euh, dans un, dans, au UFC, au UFC 50 face à Tito euh, j'ai quand même beaucoup de choses euh, que j'ai accomplies dans ce sport-là. Je me souviens du championnat du monde à l'UFC euh, 90 contre Anderson Silva, euh, qui euh, malheureusement, j'ai eu une très, très grosse blessure pendant ce combat-là. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, it is what it is, personne ne va pouvoir m'enlever si, ça. Si, euh, si euh, tu t'étais pas blessé pendant le combat, tu penses-tu que. T'allais gagner ou... Euh... Ben écoute, je me faisais pas dominer. Mais dans ce temps-là, Anderson Silva était intouchable. C'était le combattant qui était comme invincible. Euh, puis, tu sais, c'était compliqué. Puis, toutes les fois, le monde me demande, c'est comment de se battre contre Anderson Silva? Ben, je dis juste que c'était compliqué. Okay? Je m'en allais en avant et en arrière. Je m'en allais sur le côté et de l'autre bord. Tu sais, c'était difficile pour ça. Mais comme tel, est-ce qu'il m'a fait mal dans le combat? Pas vraiment. Puis nous autres, on voulait pousser l'action encore plus loin parce qu'on savait que c'était jamais rendu au troisième ordre au UFC. Puis rendu au troisième ordre, j'ai regardé la caméra puis j'ai fait un 3 de même en voulant dire Ok, on est rendu là, mais je savais que mon genou était complètement démoli. Fait que tu sais, c'était. un accomplissement accompli, mais je savais que je savais pas si mon genou allait tenir, puis finalement au troisième ordre, un genou a lâché. Mais tu sais, moi, j'étais un puncher, tu sais, moi, j'étais un gars qui avait une bonne, une bonne force de frappe. Fait que, Jusqu'à la dernière seconde du cinquième round, j'aurais pu gagner un moi ouais, si j'avais clip comme il faut. Hein. Puis ça, euh, quand, quand mettons, tu te bats contre quelqu'un de même ou contre n'importe qui, euh, j'imagine que le mental de, de tout le temps dire euh, je peux gagner, c'est une des choses les plus importantes. C'est possible de gagner quand tu penses écrire je suis en train de perdre, euh, je ben, pense je ne gagnerai pas. Non, puis. Tu rendu là, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Ouais, tout se ouais. passe dans la tête. Comment tu es capable de gérer la pression. Comment es... Puis nous autres, on a approché ce combat-là parce qu'on a vu tous les gars qui se battaient contre Anderson Silva, ils avaient perdu d'avance. Ils arrivaient, puis ils ne le regardaient pas dans les yeux. Ils arrivaient, puis il étaient intimidés par le gars. Moi, je me suis dit, au oh, pire, si je me fais knocker, je m'en souviendrai pas. T'sais. Fait que whatever. T'sais, on va y aller all in, puis it is what it is. Puis finalement, ben, ça a donné un combat, ben, un super bon combat jusqu'au troisième round. Le combat était quand même assez égal. Puis, aussitôt que ça a commencé, il a vu que je le respectais pas, entre guillemets, en voulant dire que je mettais beaucoup de pression, puis que j'avais pas peur de sa force de frappe. Mais, t'sais, ça l'a comme freiné un peu dans ses attaques. Je dis pas que j'étais en train de gagner le combat, mais j'étais certainement pas en train de le perdre non plus. T'sais. Puis, ça te fait chier qu'ils t'ont pas redonné un autre combat euh, de championnat après? Ben, ben non, parce que j'ai perdu deux, mes deux prochains combats après. C'est sûr que quand ils m'ont sacré dehors après, après les deux défaites après. Euh, Je me suis rendu compte que avant d'être mes, mes amis, c'était mes boss. Là, parce ouais. que j'ai tout à bonnes une bonne relation avec eux autres, mais c'est une business, il faut qu'ils roulent. Puis euh, ils m'ont sacré dehors. Puis après ça, ben allé me battre euh, dans des organisations plus locales. Je allé me battre au Brésil aussi dans une. En Amazon, dans une place complètement perdue. Le Calibre et... au Brésil, y est tu bon vu qu'il y a tellement de. Oui, il est bon. Il est bon. C'est juste que ça dépend où tu vas. T'sais, moi, je suis allé à Manaus, la troisième ville la plus dangereuse au monde. Tu arrives là et tu ne sais pas trop où te placer. Sauf que euh, moi, mon, 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 mon head coach, c'est un Brésilien. Il parle portugais avec des choses comme ça. Puis il connaissait beaucoup de monde déjà là-bas. ça l'a aidé. Mais je vais te dire, là, la cage, d'habitude, il y a une petite espèce de rubber par-dessus le métal. Là, il n'avait pas. Okay. C'était <laughs> vraiment vraiment, c était, c était vraiment plus, euh, plus de base, je dirais. là Mais euh, écoute, ça a été encore une fois, ça a été une expérience. Puis cette victoire-là que je suis allé chercher là-bas contre le Brésilien, euh, ben, ça m'a fait revenir au UFC en 2012. Puis après ça, ben, j'ai fini ma carrière. Là. OK. Puis ça, toi, comme là, après ça, tu as été commentateur pour RDS, puis après mm -hmm. TVA Sport Ça, c'était-tu ton... Euh, tes tu le genre de gars qui a un plan de carrière? Pendant que tu étais dans l'UFC, tu, tu pensais-tu déjà à qu ce que tu allais faire après? Ben, je pensais pas avant. T'sais, à 27, euh, 20, 26, 27 ans, quand j'ai pogné le pic de ma carrière, j'étais super populaire. Là, c'était le bordel. C'était le party, l'alcool, la drogue, les femmes, tout ça. La... Pour voir à Las Vegas, ça n'avait aucun bon sens les parties qu'on faisait. Pis... C'était quelle drogue? Euh? Oh, on a fait euh, pas mal de choses, je te dirais. Okay. Là, bah, beaucoup de cocaïne, je te dirais. À okay. <laughs> ce instant-là, 27 ans, là, 26, 27 ans à Las Vegas, on l'a échappé euh, assez solide. parce Jusqu'à temps que j'arrive à mon combat de championnat du monde, que je me suis blessé. Puis là, j'étais un an et demi out. Puis là, à cause que j'avais été... Euh, à cause j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent, j'avais mis de côté, je pas changé mon style de vie quand même. Euh, j'ai arrêté de faire de la drogue, mais je veux dire, oh, oh, à part ça, ça j'ai pas arrêté mon style de vie, mais quand j'ai recommencé, commençait le temps, j'ai recommencé à travailler. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que ça peut se finir du jour au lendemain. Puis depuis cette journée-là, euh, écoute, j'ai commencé à penser vraiment à, à préparer mon après-carrière. Parce que c'est pas comme les joueurs de hockey. Hein. T'sais, on, on fait pas. J'ai quand même fait une belle carrière, j'ai fait quand même de la bel argent, mais t'sais, on ne devient pas millionnaire en se battant au UFC à moins d'être vraiment de temps. Ouais, ouais, ouais. Puis t'as pas de sécurité d'emploi, t'as pas une association des joueurs qui vont euh, qui, qui vont te protéger non plus. Fait que tu sais, il faut que tu t'arranges avec tes troupes quand c'est quand finit. Tu sais, tes euh, combats les plus payants, t'avais combien par combat? Euh, je te dirais... Parce que t'as tout le temps euh, une bourse de base, puis après ça, t'as un Bonnie qui est, est d'habitude le double quand tu gagnes. OK. Euh, puis après, euh, t'as des « fight of the night ».« Fight uh, of the night », c'est ça. Le combat le, le plus payant que j'ai fait, je te dirais, c'est le combat que j'ai fait à Saskatoon. Euh, UFC qui était là-bas, puis j'avais gagné le Fight of the Night aussi, donc 50 000 de bonus en plus, plus j'avais fait 70 plus 70, donc j'avais fait à peu près 190 000 okay. euh, dans, US dans ce combat-là. Ça, okay. c'est le combat que ah, j'ai fait. Saskatoon euh... en plus. Ça. Ouais, ça n'a pas rapport avec oh, la ouais. place. Non, 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 je <laughs> sais, mais, mais tu ne t'attends ouais. pas à, à gagner 200 000 en te battant Saskatoon. Non, pas vraiment, non. Puis ça, dans, dans tes moments, tu sais, quand, quand tu vas être vieux sur ton lit de mort, c'est quel ton combat euh, que euh, que tu vas te rappeler le plus, que tu es le plus fier? T'sais, mon entrée au UFC, ça a été quelque chose que je pense que personne ne va être capable de, de, de d'égaler ça. Là. La manière que j'ai rentré, je me suis battu contre mon idole, je, je me suis battu contre. Euh, j'ai appelé mon chien, c'était le même nom que ah, mon idole. Ah, ah. C'est vraiment fucké. cest tu dans les années que Tedo c'était avec Janet Jameson? Euh, c'est juste, juste juste avant. OK. Ouais, juste avant. Oui, avant que avant qu'il fasse deux kids puis qu'il avait complètement sur le top. Là. Oh ouais. <laughs> mais oui, c'est ça. C'était juste avant ça. Ouais. Puis toi, c'est ça, je veux, je veux revenir à. Tu sais, t'as commencé tard, mais jeune, t'étais-tu le genre de. Étais le genre de petit gars qui se battait ou Pas du tout. Hey, moi, j'ai mangé des volets. Euh... Je me suis battu trois fois au secondaire et je me suis fait rincer pas à peu Les près. trois fois? Oh, oui, les trois fois, solide, là. J'avais pas de qualité athlétique pour faire ce sport-là. J'étais probablement le pire combattant qui a tenté de faire carrière là-dedans. Au début, j'étais vraiment mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Puis, Écoute, j'étais très, très arrogant. J'avais, je, je pensais que j'étais le meilleur au monde. Puis le premier combat amateur que j'ai fait, je me suis fait torcher, puis pas à peu près. Puis on dirait que ça m'a fait arbonner les pieds sur terre. C'était où maintenant. ton premier combat amateur? À Québec? Ou... Euh, non, c'était au scratch à Laval. Ok. Au scratch à Laval, contre un gars de 6 pieds 6. Euh, puis euh, puis c'est ça. Puis tu tout ce que je faisais, c'est je faisais comme dans la WWF. Je parlais à la foule, t es, t es, mais tu sais, c'était pas fake. Je recevais des, 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 des vrais coups de poing dans la face. Puis finalement, j'ai perdu au premier round. Puis là, ça, ça, ça avait été hein, comme un wake-up call. Puis, euh, puis, mais même avec cette défaite-là, tu sais, je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis j'en ai, euh, ai, euh, ai fait ma carrière. Puis ça ouais. doit faire. Tu sais, moi, moi je me suis pas battu depuis euh, secondaire 2, euh, mettons. Puis moi, au primaire, je me battais pas mal, parce qu'au primaire, tu sais, un, un punch d'un petit cul de cinquième année, ça fait pas mal. Fait que c'était juste fun, c'était ouais. de l'action. Puis là, t'sais, on se battait, les deux, on avait du fun, tu gagnais, tu perdais, tout le monde était heureux. Puis après, quand je me suis battu au secondaire, je me rappelle que... Après le combat, ben le combat, j'appelle ça un combat. Après que j'ai mangé une volée, j'étais comme, tabarnak, ça fait bien mal, <laughs> ça, asti. Ouais. Puis à chaque fois que je vois des gars comme vous autres se battre, je suis comme, asti, le, le, le petit cul de secondaire 2, il m'a punché le nez, ça m'a <laughs> fait mal pendant trois jours. Vous autres, tu un coup point de combattant UFC... Ouais. Ça assez que ça doit faire mal. Ben, pour vrai, je vais te dire la vérité, non, tu sens pas, pas, pas grand chose. Avec l'adrénaline, tout le la... kit. La seule affaire qui fait mal, pour vrai, c'est un coup de pied d'un jambe. Un petit bio qui arrive directement d'un jambe. Ça, c'est comme quand tu joues à des jeux vidéo et tu as une barre de pouvoir. Là. Ouais. Donc, là, tu donnes un coup, ça descend, ça descend, ça descend. C'est rare, tu vas passer un encore avec un coup de pied d'un jambe. Mais ça, tu le sens tout de suite, ça te gèle le corps ben, puis tu as besoin d'une bonne poker face pour montrer que ça n'a pas fait mal. Mais le reste. Tu sais, un coup de poing, tu le prends ou tu tombes, là, avec des gants de 4 ans, c'est ça, ça, puis les, ça pas les, tant les coups ça, de poing là. que tu ne sens pas à cause de l'adrénaline, c'est le lendemain que tu le sens Ah, oh, je te dirais une heure après, là, un coup que ça a finit, toute la quête. Puis, tu sais, si, mettons, tu te fais ouvrir, moi, je me suis fait ouvrir dans le visage une couple de fois, là, fait que tout de suite après, ben, tu t'en vas dans, dans une salle, puis tu recouses tout de suite, toute la quête. Puis, un coup que l'adrénaline est passée, ben, là, tu commences à avoir mal, puis là, c'est là que tu t'en vas à l party pour boire, pour oublier. Okay. Euh, la douleur <laughs> Puis, c'est tu... Euh, euh, pendant une coupe de jours, ça doit être là, là tu manges comme un, un, un innocent, pour revivre comme, comme un humain, ça. Écoute, justement, à ce combat-là à Saskatoon, je m'étais battu à 170 livres j'ai gagné. Ben, J'avais fait la pesée à 170 livres. Je ne m'étais pas battu à ça, mais j'ai fait la pesée à 170 livres. 17 jours après, j'étais à Las Vegas avec des amis et ma femme. Puis là, c'est le party. J'avais gagné, gagné, fight of the night. C'est all open. On était défoncés bien puis sur l'alcool. Puis, euh, <laughs> euh, on s'en va dans le Grand Canyon. Puis, il faut se peser avant de rentrer dans l'hélicoptère pour aller dans le Grand Canyon. Là, 17 jours avant, j'étais à sa balance à 170 livres. J'avais embarqué sa banque, j'étais à 231 livres. 17 jours après, j'étais enflé, j'avais des tuyaux de poils comme jambes, j'avais plus de chevilles, j'avais des king c'était dégueulasse. Mais ça j'étais enflé comme le bonhomme Michelin mais ça, fait, ça faisait tout le temps ça, après ça ben tu t'es tellement privé, ben à un moment donné, ben là, tu prends de l'excès, tu, tu manges ce que tu veux, tu prends de l'alcool, tu te la quittes. fait que tu t'enfres puis ça n'a pas de bon sens. Ça, j'ai l'impression qu'il y, y a bien des gars, quand ils arrêtent leur carrière, euh, deviennent. Tu sais, sous le coup, ils en graisse pas mal, mm -hmm. vu que vous brûlez tellement de calories. J'ai un de mes chums, euh, 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 Jonathan Goulet, c'est un de mes ouais. amis. Puis euh, Joe, là, là, il a, il a retrouvé. Tu sais, il a sa chaîne mm -hmm. de l'époque du UFC. Mais l'année ou deux après qu'il a arrêté, il avait vraiment gonflé. T'sais. Ça, ça m'avait marqué à quel point que. tu euh, ouais, Vous brûlez des. Moi, ben, c'est parce que c'est de la privation. Tu, tu te prives tellement, tu te prives tellement. Puis à un moment donné, ben, quand tu prends ta retraite, ben, c'est sûr que tu as. Ta capacité à dépenser des calories est moindre là, à un moment donné. Là. fait que c'est sûr que, que tu puis Tu sais, veux, veut pas. c'est dur. Je pense que lui, il a fait une carrière de 9 ans, 8, 9 ans. Là, même à ça, tu c'est un sport qui est super dur physiquement. Puis c'est un sport qui est ultra égoïste. Tu n'as pas le choix d'être égoïste. Sinon, euh, si tu ne penses pas à toi en premier, ben c'est sûr que tu ne feras pas carrière longtemps. là fait que, tu sais, il faut que tu te coupes. T'sais, tu sais, les... quand tu te prépares pour un combat, tu te coupes du monde social. Puis moi, à la fin, j'avais, à cause de ma renommée un petit peu, j'avais quand même le contrôle de quand je pouvais me battre. Fait que, tu sais, l'été, je me battais jamais, là. Parce que l'été, là, quand t'es à diète, puis le monde fait des barbecues, ils boivent de la bière, ils boivent euh, des gin tonic, puis tu arrives avec ton poulet bouilli, puis tes brocolis, là, t'as pas de fun wow. tout, le Même si tu veux juste être avec tes chums, ben, tu restes chez vous, puis, tu sais, t'as pas le goût de voir ça. Fait tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu prends ta retraite, ben écoute ça ça revient puis là t'en profites puis au bout puis à un moment donné ben là tu t'en regardes dans le miroir tu te dis ok là j'ai peut-être exagéré puis ta, ta famille y, y, euh, euh, tes parents sont ils encore vivants ouais euh, eux sont mettons pour ta mère mm -hmm. te voir voir son petit gars se battent. Avenais-tu au combat? Ah, non, non, hein? écoute, euh, moi, j'ai été élevé par ma mère seulement. J'ai été okay. monoparental pendant, pendant toute ma vie, dans le fond, là, à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à jusqu qu qu que je m'en aille. Puis, euh, tu sais, moi, j'étais un enfant unique, en plus. Fait, moi, j'étais comme la 8e merveille du monde pour ma mère. Là. Fait que quand j'ai dit que je voulais faire ces, ces combats-là, euh, c'est sûr que n'étais pas. Euh, T'sais, elle même mieux que je fasse des, des études en médecine, mettons. Okay. Là, juste, t'sais, 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 elle n'avait pas espéré ça pour son fils. Sauf que ça a bien tourné, elle n'était jamais, jamais capable de regarder des combats live, mais euh, quand elle savait le résultat, euh, ben, elle était capable de regarder les, les, les vidéos de ça avant, même si je perdais. Il y a une fois qu'elle est venue à un combat, pis, euh, écoute, on ne s'était même pas touché, ça faisait 5 secondes, elle pleurait déjà, on s'était même pas touché encore. Là. Fait que, à un moment donné, j'ai dit « garde, c'est mieux de rester chez vous. » puis ça va être, ça va être mieux comme tu, ça. tu assez loin que toi tu l'as juste appris après le combat ouais, as je pleuré. Ouais. Par ça ça donne Alors, c'est Tu tu te retournes, puis tu vois que ta <laughs> mère c'est sûr et certain puis tu sais à mon combat de championnat du monde elle voulait venir à Chicago pour a dit je vais être là pour te supporter là, je dis ben fais pas ça, tu veux juste penser à toi qui est en train de paniquer ben, ben, <laughs> ben c'est pas bon. Mais à un moment donné euh, après ça autour de, 2010, après, autour de 2012 2013, là elle était capable de regarder puis là elle, a, elle allait à des, des cages au sport des choses comme ça pour Regardez, puis là, se pognait avec le monde qui, qui disait des affaires en mal de moi, mettons, il pourrit lui. Oui, mais même. vu puis que se tout se le monde pognait avec, un... avec le monde, j'ai ouais, non, qu'est-ce que tu fais là puis, <laughs> <'est> puis, <laughs> dit, Ça c'est drôle. Ça, ça, un gars de pogner de quoi, Nest. Parce que <laughs> c'est ça qui est magique des fans du UFC. Dans leur tête, tout le monde sait comment se battre. Puis tout le monde fait, Asti, moi, Chris, pourquoi qu'il a fait ça Je pense que dans tous les sports confondus, les gérants d'estrade, c'est ceux des sports de combat qui sont les pires les ppp parce que tu t'es tout abattu, ouais tu t'es tout abattu avec ton frère ou, ou tes chums, ou de connards de fait que tu penses tout le temps puis il y en a souvent encore là, qui moi je reçois des messages là puis ils me disent hey, kid, moi je, je, je me suis battu dans la rue j'ai jamais perdu dans la rue ça serait je pense que je serais bon pour faire ça je en reçois encore des messages de même aussi mais il y a une, une astuce de différence euh, là, de ben battre oui. dans la rue tu sais je j'ai la... pris mon char pour venir ici, je devrais euh, euh, je vais euh, faire euh, la euh, formule 1. Euh, exact c'est la même chose mais tu sais les gérants d'Estrade, gérants j'ai, puis au début, je lisais les, les réseaux sociaux puis je lisais les, je lisais les, les forums de discussion au début, début. Aujourd'hui, ça me passe du de sa tête, mais avant, en une semaine, je passais d'un C-level fighter, Là, je gagnais, puis le même gars, il disait Ah non, lui, il devrait se battre le championnat du monde après Donc, Tu vois que c'est aucune, aucune coréence des Couch Potato qui, de, qui écrivent puis des enfants derrière de, le, le couch. Fait que. Tu euh, c'est bien bizarre. Puis C'est drôle parce que j'ai une anecdote là-dessus assez, assez bizarre. J'étais à Québec. Moi, je restais à Québec quand j'ai commencé ma carrière. Puis... À un moment donné, j'ai pogné de la popularité, puis j'étais au UFC, puis le monde commençait à me reconnaître. Puis je, je sors à un moment donné, j'étais au Palladium, à Québec. Puis, il y a un gars qui est à côté de moi au bar. Puis là, il jase. Et, non, moi, jase. Puis là, finalement, on commence à jaser parce qu'on prend des shooters, whatever. Puis là, lui, il me dit qu'il fait du, du, du combo ultime dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas le terme vraiment remorcié au mix. Fait là, il me dit qu'il fait du combo ultime. Puis il fait du combo ultime, ultime avec Patrick Côté. Puis là, il me parle, moi. Là. Ah ouais? Je te jure. Là, il me parle. Je suis je Là, je ne vis pas ça. Je ne peux pas croire ça. Mais que là, il me parle. Il me dit Ouais, oh, Patrick Côté, il va me prendre sur son aile. Puis là, il me dit que là, j'avais de l'avenir de la, de là-dedans. Là, là, mon chum à côté, il me cogne des. D'un coach, il dit, mais dis-y, il dit, non, non, attends, attends. Fait que là, moi, je continue, ils dit, ah, oh, il paraît que c'est un jackass pour ouvrir le pas de côté. Il est vraiment pas gentil. Fait que là, il dit, non, non, il est super gentil, il va me prendre son aile. On est en train de monter quelque chose, un bon programme ensemble. Ça a duré une demi-heure. Une demi-heure, puis là, je suis c'est fascinant, moi, je capotais. Puis finalement, à la fin, je sors la main, je dis, regarde-moi comme il faut, là, regarde, regarde à qui tu parles comme il faut, puis là, il a réalisé. Je dis, pas de trouble, si tu veux t'entendre, tu viendras chez nous, là, mais, hey, fais attention. <laughs> fait qu'il parlait de moi à moi. Astique. pendant une demi-heure le de temps c'était comme irréel Sérieux, c'était vraiment bizarre que c'est weird qu'est-ce <laughs> que le monde me fascine ouais, moi, ben, moi aussi depuis ce temps-là je te dis là c'est fascinant puis le gars euh, es tu allais le voir non j'imagine ben jamais même, là, aucune des équipes il y avait tu sais euh il y a eu une mode des gars de bataille de rue t'sais, avec euh, genre Kimbo Slice ouais. jusqu'à Kimbo Slice je pense qu'il y avait gros du monde qui se disait ah non, euh, tu lui il euh, est plus tough que les gars du UFC jusqu'à temps que Kimbo Slice aille au UFC, puis là il a vu et eh, Chris, ok c'est un autre euh, c'est vraiment un autre game ouais mais... Kimbo, pour vrai, moi, rencontré, euh, j'ai rencontré souvent. Là, super cool, le gars. Pour vrai, super respectueux, super cool, vraiment gentil. Mais, tu sais, c'est sûr que ses combats, tu sais, dans la rue, là, il y avait quand même, tu sais, sérieusement, il y avait quand même des bonnes qualités athlétiques au niveau de ah, la ouais. boxe. Tu sais, c'est pas mais un mauvais boxeur. Ça avait, il avait de bon, hein. es un bon fighter, pas ouais, vrai, là, Debout, oui. Puis il avait quand même un bon une bonne punch. Puis il se des, contre des, des n'importe qui là, dans, dans la rue. Puis il s'est fait connaître là-dedans, puis c'est pour ça qu'il est devenu, euh, tu sais, qu'il qu s'est battu au UFC aussi, c'est pour ça. Mais lui pis, euh... aussi, quand il est arrivé au UFC, il avait déjà genre 42 ans, ou peut-être pas ouais. tant que ça, mais tu il était vraiment passé son... Ben oui, puis tu sais, ben, même à ça, il est arrivé dans le temps du UFC où ce que tu pouvais plus être un combattant unidimensionnel, ouais. tu pouvais plus juste être bon au debout, juste être bon à terre, il faut que tu sois le plus complet possible. Fait que, t'sais, mais tu en as un autre aujourd'hui qui s'appelle Jorge Masvidal, qui a fait... Il a fait beaucoup de combats de rue, puis c'est de même qu'il s'est fait connaître. Mais lui, il a joint une équipe assez solide en Floride qui s'appelle American Top Team, puis là, il est devenu un des meilleurs au monde aujourd'hui. Okay. Mais c'est deux cas vraiment isolés, là, vraiment. Là. Kimbo, il a pas une carrière extraordinaire au UFC. Ouais. Euh, mais, tu sais son fils, il se bat au jeu, à cette heure-là. C'est Kimbo Slice Jr. Là, il se bat dans l'organisation du Bellator. Puis il n'est pas, pas mauvais. À beurre, il a-tu à peu près la shape à son père? Non, balle, il est pas mal plus petit. Okay. Oh, c'est un lightweight. Là, il est tout petit. Ah, ouais. Okay, ouais. <laughs> c'est drôle, ça. Ouais, il a fait moins de stéroïdes d'après moi. Okay. Ouais. <laughs> puis, il y avait, toi, euh, tu étais reconnu pour euh, ta force de frappe. Ça, euh, vu, vu que tu as commencé à te battre vieux, tu, tu savais-tu que que, comment tu fais euh, puncher fort de même? Question stupide, là, je m'excuse. Tu sais. La dernière mais... fois que je me suis battu, j'avais 11 ans. <laughs> ben, c'est des questions de même que je sors. <laughs> <laughs> comment on fait frapper ben, fort? <laughs> écoute, ben, écoute, c'est le fun que tu demandes ça parce que tu sais, moi je vais me battre contre Hugo Girard bientôt pour euh, une levée de fonds pour euh, le défi Altergo. Ah, tu, ah vous à allez boxe. À à boxe, boxe. Okay. Tu sais, Hugo, il paye 340 livres. Ouais. Là, okay? Fait que là, le monde dit, hey, là, si tu manges une shot de lui, qu'est-ce que tu vas faire? Puis, euh, OK, bon, la vitesse, c'est peut-être pas sa meilleure amie, mais c'est sûr que s'il met un 340 livres en arrière de son poing, ça se peut que je le sente. Mais c'est pas une question de, de poids, c'est pas une question de gros bras frapper fort, c'est une question de transfert de poids. Il y a beaucoup de techniques là-dedans quand même. Puis, tu sais, frapper fort, ça veut pas dire que t'as des biceps de 32 pouces. Là. Ça veut dire que t'es capable de transférer ton poids puis de faire la bonne, la bonne transition, tu sais, puis des les bonnes choses comme ça. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de techniques là-dedans. Y a-tu une grosse différence, mettons, quand tu as commencé à te battre à, à 200 livres puis que tu as fini à 170? Que t es, t es, vu que tu étais moins pesant, ton, es, ta force de frappe a-tu changé ou n'a pas vraiment non, changé? Non, parce que la technique, je l'avais. C'est sûr, j'étais beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr et certain. Mais la force de frappe, j'ai eu. Euh, j'ai knocké deux gars à, à, à 205 livres à l'UFC. J'ai fait un combat. J'ai knocké deux gars à 185 livres. Puis quand j'ai descendu, okay. euh, si descendu à 170 livres, j'en ai knocké deux aussi. Donc, tu sais, c'est... ça ne change rien si tu as la bonne technique. C'est juste que, tu sais, j'étais plus à l'aise. Puis pourquoi j'ai descendu à 170 livres? C'est parce que mon dernier combat à 185 livres, les deux à peser ont été à 185 livres, même si je savais qu'il était un petit peu plus gros physiquement que moi. Mais le lendemain, pas, je pensais que j'étais son frère. Bon, vrai, là, dit, ça se peut pas que ça soit lui. Il avait doublé. Là. Fait que, euh, puis ça se passait à Montréal ici. Quand euh, un Italien qui s'appelait Alessio Saccara, il était immense là, la journée du combat. Fait que je me suis dit ok ben là ça va être moi qui va faire ça. Puis après ben j'étais à 170 livres mais le lendemain j'étais à 190 livres. Fait j'étais beaucoup plus gros que les autres que mes adversaires dans ce temps-là. Euh, euh, Pat, y a-tu quelqu'un contre qui tu ne battrais pas, que t'aurais pas après... Nos deux. Ah, mettons. Ouais, <laughs> à, à part Mike et moi là, y a-tu quelqu'un <laughs> euh, ouais, tu quelqu'un qui, qui te fait peur euh, Qui me fait peur Non, mais y a des y a du monde que je me battrais pas contre. Juste par, tu sais, des fois, un lucky shot ou de quoi de Tu sais, ouais. à la fin de ma carrière, on, on me proposait des, des combattants qui n'étaient qui étaient pas connus. Okay. Puis, je me, puis je me disais, tu sais, moi, ça fait 14 ans que je me bats, ça fait 12 ans que je suis dans l'UFC. Euh, puis je refusais ces combats-là. Puis euh, des fois, on parlait avec mon gérant, on me disait, ouais, mais tu sais, c'est peut-être un, un easy paycheck ou de quoi même. »« Moi, mais il n'y a pas d'easy paycheck au UFC. Tout le monde est bon, là. Fait tu sais, je me bats quand un nobody que personne connaît. Puis lui. T'sais, il veut faire son nom sur mon nom, puis là, il me clip, puis ça arrive. Mais ben, tu ça, c'est pas bon. Oh, ouais. C'était plus une question de, de gérance, de business, okay. de, de combat, plus que, que d'avoir peur. Mais tu sais, quand je regarde ma carrière, j'ai tout, tout le temps eu des, des, des gros challenges. Je suis jamais vraiment refusé personne. Puis, mettons dans la vie, euh, c'est quand la dernière fois. Là, en star, tu pourrais pas te battre. Mettons de, dans la rue. Quelqu'un te cœurs te tu le frappes une fois, toi tu vas en prison. Euh, 100%. Tu sais, ça arrivera pas. Tu parce que tu peux, me, tu peux, dire ce que tu veux sur moi, tu peux me dire que je suis un cave, que je, c'est vrai, ça, ça m'atteint pas. il n'y a, a rien qui m'atteint, ça me dérange pas. Y en a tu des colons qui s'essaient, tu sais que. Plus qu maintenant. Faut... Ok. C'est déjà arrivé. Euh, je te dirais plus en 2006, 2007, 2008 là, euh, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait quand même assez souvent. Euh, mais à cette heure, le monde a compris qu'avec mes oreilles, ben, t'sais, t'sais, tu ne peux pas, tu peux faut pas tu Parce que si, <laughs> le monde, ils comprennent à cette heure, quand tu les oreilles en chouffleur, ça veut dire que tu as fait quelque chose dans les arts martiaux. Puis ouais. si tu en as assez fait pour avoir les oreilles en chou-fleur demain, c'est parce que tu dois être capable de te débrouiller à quelque part. Mais non, je pense que tu ça aussi. Si tu rentres dans une place puis euh, tu fais ton tof ou de quoi de même tu vas avoir du monde qui vont venir vouloir t'essayer. Mais écoute euh, moi j'étais suis un happy drinker là, fait que je ne cherche pas le euh, trop en tête. ok puis euh, en auto t'es tu quelqu'un d'agressif ou euh... non ben, puis maintenant tu sais moi j'ai appris à contrôler ce que je suis capable de contrôler fait tu sais le trafic il y en a je peux rien faire je vais pas briser ma, ma journée à cause du trafic tu sais je vais mettre de la musique tout couramment je peux pas passer par dessus les chars là. fait ouais. tu sais des voitures puis tu sais des cabochons je sais qu'il y en a puis l'affaire c'est que moi j'ai un bateau puis je suis, je, suis un, je suis un passionné de bateau. Puis si tu penses qu'il y a des cabochons ça route, bien sur l'eau, c'est encore dix fois pire. Ah, ouais. Fait que ça route pour moi, là, le monde n'est pas si cabochon que ça, je te dis. Là, en bateau, euh, pourquoi c'est pire? Vu que le monde, son. Uh, first, c'est boivent. Exact. Puis deuxièmement, ça te coûte 50$ avoir ton permis oh, sur Internet. Ouais. Fait que n'importe qui peut avoir un bateau. N'importe qui peut, euh, peut chauffer un bateau. Fait que, tu sais, c'est pas si contrôlé que ça. Euh, tu sais, Généralement, c'est pas si pire, mais tu sais, c'est. Comme je te dis, n'importe qui peut prendre ça. Il y a de la police sur l'eau, mais il faut vraiment que, que tu fasses cette cave pour qu'ils viennent te, te checker quand même là. Ah peu, ouais. mais s'il. Mais c'est sûr que. En fait, J'ai euh, jamais euh, été dans un bateau avec quelqu'un qui buvait pas en non. chauffant. tu sais puis Ça fait, partie, ça fait partie du bateau. Ça fait partie de ça. T'sais. Ça fait-tu partie du test? Quand <laughs> du test 50, <rire> 50? <rire> Non. Non, ça fait pas partie du test, mais écoute, ça, ça vient avec. Puis je pense que tout le monde est, est comme ça, sauf que tu sais, c'est tricky sur l'eau parce que c'est pas, euh, c'est quelque chose d'unique. Puis tu n'as pas besoin d'un permis pour avoir une chaloupe ou un permis spécial pour avoir une chaloupe ou un 35 pieds. C'est la même chose. Ah ouais? Fait que ça ne change rien. Fait que, toi, c'est euh, quoi que tu Moi, j'ai un 32 pieds. Moi, j'ai un cruiseur. Moi, j'ai des bateaux de wayboard pendant des années pendant 12 ans quasiment. Puis euh, moi je suis sur une rivière, je suis à la rivière du Richelieu. Puis tu sais quand tu roules avec des chums, puis euh, toute l'équipe c'est un party, c'est un party bowl, Puis tu sais euh, quand battre tu t'invites euh, des, des filles, toute l'équipe, c'est c'est le party. Euh, fait que tu roules, tu fais du surf, c'est correct sauf là quand tu commences à avoir une famille quand tu commences à, à vouloir acheter langue juste chiller de quoi de main, un bateau wakeboard c'est pas fait pour ça fait que, oh. là cette année on, on, je me suis acheté un cruiser puis il y a deux chambres là dedans tu as une salle de bain puis euh, toute la a fait que tu sais là moi j'ai une petite fille puis là on amène euh, toutes mes chums ont des enfants aujourd'hui elle a trip-tu sur le bateau bah ben, oui, elle a la ben robe, tu fait que c'est plus c'est un autre buzz mais avais, ça m'a pris un, deux mois comme il faut pour faire la cassure. Dire, ah, damn, sérieusement, je suis rendu là, là avec mon cruiser, avec mon, un vieux pépère, mais en même temps, là, je le vois différemment. C'est vraiment un autre trip complètement, puis euh, on a bien du fun. C'est où que. Euh, Richelieu, tu vas de où à où Tu vas-tu jusqu'au lac Champlain Tu peux aller jusqu'au lac Champlain, puis de l'autre bord, ben, tu peux aller jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Okay. Euh, dépendamment par où que tu vas, tu passes des écluses puis euh, tu te rends partout ce que tu veux. Hein. Inc... Moi, c'est ça. J'ai tout le temps aimé faire du bateau, mais j'ai l'impression que je suis pas assez à mon affaire. De ça, a de là, compliqué. Ben pas tant que ça. Tu sais, euh, c'est sûr que il faut que tu saches où tu t'en ailles. Euh, quand dans des gros bateaux comme ça, comme le mien, tu as tout le temps un gros GPS qui va te dire où est que les, les, la profondeur de, de l'eau ou des choses comme ça. Euh, mais si tu ne regardes pas ça, tu peux, tu peux te planter. Mais je parle, tu sais, comme mettons, pour euh, toi, toi tu, tu le rentres à l'eau, mettons, début de l'été, tu sais, printemps, tu le mm. sors l'automne. Mais l'hiver, moi, je ne saurais pas quoi faire. Je serais perdu. Bon, tu n'as rien à faire. Là. Tu, 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 payes, tu payes la marina, puis ils vont l'entreposer dans. Une, la, dans leur garage. Ok, c'est eux euh, autres qui te oh, dit oh, ça. Ouais. Ah, cest oh, ouais. oh. tu... Peux, tu peux le faire toi-même, l'amener chez vous oh, puis le rapper toi-même, c'est du trop en mode. C'est ça, j'ai trop une tête, une mentalité <laughs> de gars qui a pas une esthéticienne. Que... <laughs> je suis tout le temps comme tabarnak. comment que. tu tiens en même temps, un bateau, t'as pas besoin de ça. C'est un luxe. J'arrête pas ouais. de le dire, tu vois, c'est un, un luxe. T'as pas besoin de ça dans la vie un bateau. Là. Fait que tu sais. Euh, ça coûte cher quand même. Puis le gaz aussi, puis des affaires comme ça. Fait que tu sais, il faut. Il faut que tu tripes vraiment bateau pour en avoir un, un gros comme ça parce que bon, tu, tu, tu vas être obligé dans ta poche. Ce pas un investissement. Là. Tu sais, je te confirme, c'est vraiment pas un investissement. Mais ça, moi, si je, suis un gars de bateau, je suis pas un gars de char, je ne suis pas un gars de moto, je suis, pas un, je suis un gars de bateau. Tu sais. okay. C'est là-dedans que je passe ma passion. T as tu déjà pensé de ménager dans un, un climat plus chaud? Parce qu'on dirait que le Québec, c'est la pire place au monde pour un gars de bateau. Euh, c'est sûr que. On peut prolonger plus l'année la, la, avec le genre de bateau que j'ai. Un bateau de Whiteboard, à ce temps de l'année, il faut que tu commences à faire un peu. Mais euh, j'ai pas vraiment encore pensé à ça parce que c'est la première année que j'ai un, un cruiser. Là. Mais euh, non, moi, j'aime bien essayer, ça. Je fais, fais, fais du ski l'hiver puis euh, je sais pas ma, ma saison préférée, là, mais je m'arrange pour que ça ne me tape pas trop énorme. Puis là, avec ta fille, elle euh, est trop petite pour y penser déjà, mais si quand elle va être plus vieille, puis elle, elle va avoir regardé tes combats, puis elle arrive, puis elle dit, Hey, Papa, j'aimerais ça faire ça. Ouais. Ça va être quoi, cette ta réaction? Ben, écoute, on, là, on la pousse beaucoup dans la danse, puis la gymnastique. Là, te... <laughs> on on l'envoie comme vraiment ailleurs, ailleurs ouais. <laughs> le plus possible. Je serais bien mal placé pour pas, pour pas l'encadrer, puis pas l'encourager pas là-dedans. Mais. Euh... C'est sûr que c'est pas moi qui vais l'amener là-dedans. Puis la beauté, t'sais. une fille des oreilles en chef à elle les cache avec ses cheveux. Ouais, la mienne, elle a déjà les oreilles décollées. Fait on va les voir pas mal. <rire> <Okay>. <rire> mais ça y fait bien. Mais écoute, t'sais, t'sais, moi, je ne conseille pas cette vie-là à personne. T'sais, moi, ça a bien tourné. Puis jusqu'à un certain point, je ne crois pas à la chance, mais jusqu'à un certain point, les choses se sont bien alignées pour moi. Mais. Si je commençais aujourd'hui avec le talent que j'avais en 2004, jamais j'aurais été au UFC. Tu comprends? Je n'étais pas, pas assez bon pour me rendre au UFC aujourd'hui. Mais tu t'aurais entraîné différemment aussi à l'époque. Oui, tu sais. t as, t as raison. Oui. Sauf que, tu sais, le monde pense que tu, tu, te, rends, tu te rends au UFC, tu es rendu millionnaire. Tu sais, le la salaire minimum au UFC, c'est 10 000 plus 10 000. Okay? Fait que 10 000 de base plus 10 000 si tu gagnes. Là, là mettons, tu perds. Okay? Tu perds. Puis rendu, il office, vous train à temps plein pour être capable de, de performer au, au niveau de l'élite mondiale. Fait que tu pars, tu fais 10 000. Là-dessus, là, tu enlèves 30 de taxes, tu enlèves un 10 à ton gérant, tu enlèves un 5 à ton équipe. Là, il tressent quoi, là? Tu il un 4-5 000 maximum pour vivre jusqu'au prochain combat. Puis tu sais. ton prochain combat, tu n'auras pas une augmentation. Tu vas faire 10 000 plus 10 000 encore. Ouais. Jusqu'à temps que tu gagnes, que là, tu vas peut-être avoir une augmentation de 4 000 par combat ou de quoi de même. De, de, au début, là, c'est ça, au UFC, là. Puis, il y en a qui disent, ouais, mais les UFC, ils payent pas cher le combattant. C'est vrai, tu as raison, parce que le partage des revenus est vraiment minime d'après... Avec qu ce qu'ils font comme tel par année. Sauf que quand tu regardes Bellator, qui est l'organisation première compétition avec l'UFC, il y en a qui se battent pour 1500$. Oh, ouais. 1500$. Parce que si c'est le compétiteur, mais c'est pas genre Coke puis Pepsi, c'est Coke puis euh, Cola Denis. Oh, ouais, là, exactement. C'est euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. exactement ça, mais il reste que Bellator, ils ont des super grosses vedettes. Euh, c'est Viacom qui est en arrière de ça, fait ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mais, quand tu regardes le produit qu'ils mettent à la télévision, puis quand tu regardes les, comment tu peux monnayer quand tu étais au Bellator et quand tu étais au, au UFC, moi j'ai fait bien plus d'argent à l'extérieur du UFC en utilisant ces trois lettres-là que non. les bourses que j'ai faites. J'ai quand même fait de la bonne argent comme bourse, mais jamais comparable à ce que j'étais allé chercher en contact, puis en commandite puis en, en business en utilisant ces trois lettres-là du UFC. Ça va, ça va être weird comme comparaison, là. Mais c'est comme une porn star qui fait son argent en étant escorte. Ben, c'est pas weird. T'sais. T'sais, t'sais, ben, sérieusement, avec le partage des revenus ce qu'ils nous donnent comparativement à ce qu'ils font, tu ben, t'es quasiment une pute. Ouais. Ouais, c'est quasiment ça aussi. Là. Vrai. Mais là, après... ouais, c'est ça, mais un, un gars wise qui sert de ça. Après, tu peux faire ton cash en comment dit en conférences. T'en fais-tu euh, des conférences? Oui, je fais des conférences euh, sur euh, ma conférence. Dans le fond, j'ai sorti un, li un livre il y a trois ans qui s'appelle Tout est possible. Ça explique un peu le, le parcours de ma vie et comment j'ai fait pour tout le temps être capable de revenir <coughs> au sommet après euh, des, euh, des gros, euh, des, des gros downs dans le fond. Euh, au niveau carrière, dans le fond. Puis, puis, euh, puis c'est ça. Puis Je donne des, des conférences un peu partout. J'en ai donné une. Euh, Bien, le message avait un petit peu moins passé à, mon dernier, à ma dernière conférence. J'ai fait ça dans un collège privé qui était... Tout le monde était riche. là okay. fait que c'était des, 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 des jeunes de secondaire 5 qui, un jour, n'ont jamais compris que, que, que dans le trou, c'était quoi de sortir du trou. Ah. Je faisais ma conférence, puis le monde m'a regardé. Qu'est-ce qu'il qu dit là? Lui d'être dans le trou puis travailler pour <laughs> se sortir de la merde. J'ai Ok, le message passe pas ici de pantoute. Mais tu sais, je donne beaucoup de conférences. J'en donne peut-être euh, entre 10 et 20 par, par année. Puis okay. dans, surtout dans les cas cor des corporatifs, des choses comme ça, le message passe un petit peu mieux avec les adultes qu'avec qu les jeunes, dépendamment. Si j'avais donné cette conférence dans un, une école un petit peu moins nantie, peut-être que le message aurait mieux oh, passé. Oui. Ça, ça c'est une affaire, euh, tu sais, pour euh, l'argent. J'ai l'impression que y a-tu déjà eu, un, soit en boxe ou euh, MME, euh, un enfant riche, qui est devenu un champion. J'ai l'impression que il faut que tu viennes de classe moyenne en dropant pour vouloir te battre pour quelque chose. Euh, ben, le seul que je que, qui me vient en tête, c'est BJ Penn. BJ Penn, lui, sa famille a quatre compagnies de pétrole à roi. Il n'a jamais eu besoin ah, de travailler. Ouais? Fait que lui, euh, lui, il, 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 il s'est dédié au jiu tout brésilien. Il est devenu super bon. Il est devenu champion du monde. Puis après ça, il est devenu euh, combattant. Il est devenu champion du monde à 155, à 170 livres aussi. Euh, puis euh, c'est seul que je pense parce que les autres, c'est soit que le sport leur a sauvé la vie à cause qu'ils étaient des junkies ou des affaires de mmh. même, ou bien ils viennent dans des, des, des milieux plus défavorisés ou de de même, ou une enfance plus difficile. Euh, mais moi, je me battais pas parce que j'ai eu une enfance non, non. difficile. C'est juste que ça a donné que je suis devenu je suis devenu bon rapidement là-dedans, même si je n'étais pas bon au début. Mais tu sais, je n'ai jamais rien manqué. Là. Pas eu de... Je me suis pas fait battre. Mon grand-père ne m'a jamais touché. Je que... n'ai <laughs> pas de traumatisme ouais. d'enfance qui m'a fait tu me battre. Tu ne pas euh, contre, contre des ça. vieux démons. <laughs> puis, si tu avais, mettons, euh, ça, tu dois l'avoir tout le temps. Là, des jeunes qui viennent te voir, qui, qui, qui rêveraient d'avoir une carrière comme la tienne. Aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu leur donnes? Euh... C'est le même conseil que je donne dans la vie de tous les jours que dans le sport, c'est de bien s'entourer. Puis ça, c'est une qualité que, que moi, je trouve que c'est ma meilleure qualité que j'ai eue dans ma vie, c'est d'être capable de bien m'entourer des bonnes personnes. Parce que surtout dans ce sport-là, tu sais, quand tu gagnes, tout le monde va être à côté de toi. Là. Quand tu perds, tu vas voir, comme tu allumes une lumière, puis il y a des caquerelles, là, ouais. puis, ils vont s'en aller. C'est exactement la même chose. Tu sais, si tu es capable de trouver du monde qui, est, qui sont là, gang ou peur, qui quand ça va pas bien, quand ça va bien mais tu sais, si tu es capable de bien t'entourer, déjà là, tu as déjà un bon bout de la fête. Puis, euh, comme là, euh, euh, en ce moment, il y a, euh, a Oli Aubin, ouais. euh, québécois, dans l'UFC, euh, que euh, ses, ses trois derniers combats n'ont ouais. pas bien euh, été. Pour, pour lui, qu'est-ce que tu penses qui qu va arriver? Euh? Écoute, je ne sais pas parce que là, il, il, il est agent à libre. Il a, il a plus de Son dernier combat, c'était son dernier okay. combat sur son contrat, puis il a fini ça sur une troisième défaite de suite. Euh, il y a quand même une bonne, des bons managers autour de lui, des bons agents qui sont en, en bonne relation avec l'UFC. Il n'a pas re-signé encore avec, avec l'UFC, mais le problème, c'est que tu as toujours une façon de perdre. Puis ils nous le disent aussi ils disent, regarde, tu, tu peux perdre, mais si tu donnes un bon, un bon show, on ne va jamais te mettre dehors. Puis. Maintenant, c'est ça qui est rendu le sport. C'est un, un spectacle sport à place d'être un sport spectacle. Oh, ouais. Ils misent beaucoup plus sur le spectacle que les performances sportives maintenant. Mais il reste que le but du jeu, quand même, c'est de gagner. Puis Olivier a perdu ses trois derniers combats. Puis je connais super bien, Olivier. Puis écoute, j'ai écrit des articles là-dessus aussi sur RDS.ca. Puis je donnais mon opinion là-dessus. Puis c'est plate. C'est un sport qui est, qui est cruel parce que tu as quand même ton, sport, ton, ton sort entre tes mains. Puis la ligne, des fois, peut être super mince entre gagner puis perdre. Puis quand tu passes une série de défaites dans le même, là, tu t'enfonces, tu t'enfonces, puis à un moment donné, tu te dis, Tu tu être capable -tu, de me sortir de ça à un moment donné? Là, c'est ça. Fait que là, lui, je ne sais pas ce qui, ce qui va arriver bientôt, mais si, présentement, il est agent libre, fait que je ne sais pas où ce qui va Probablement se Probablement qu'il va faire comme qu'est-ce que tu avais fait euh, quand, quand tu étais parti, aller ailleurs, ou c'est ça le meilleur plan de match, je pense. ça aller ailleurs euh, indépendant, Gagner puis après ben, revenir. Ouais, peut-être se refaire une, une confiance, ouais, t'as raison, là. Mais Parce tu ne veux, être... veux, veux jamais partir du UFC. Ça, ça doit jamais. être dur. Je sais qu'en humour, ça n'a rien à voir. Là, mais mettons, si tu fais deux, trois shows d'affilée qui vont pas bien, ça te décrispe après tu remontes, mais en même temps, c'est plus facile de revenir. Là, mais euh, j'ai l'impression que, que quand tu perds. Une, quand tu as une coupe de défaites d'affilée, ça doit jouer dans ta tête. Bien, c'est sûr. Moi, là, mes, mes quatre premiers combats au UFC, je les ai perdus. Quatre défaites de suite au UFC, mes quatre premiers combats au UFC. Puis moi, ce qui m'a sauvé dans ce temps-là, c'est parce que j'étais un Canadien français. Parce qu'ils voulaient avoir des, 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 des Québécois, ils voulaient avoir des Canadiens français pour prendre le marché de toute l'Amérique au complet. Puis ça, je le sais, puis je n'ai pas honte de ça. Je sais que c'est ça qui m'a sauvé. Puis quand ils m'ont donné mon cinquième combat au UFC, après quatre défaites de suite, Là, finalement, j'ai gagné. Puis là, ça m'a enlevé une tonne de pression sur ses épaules. Puis je suis parti sur une streak de 6 victoires, puis je suis allé au combat de championnat du monde. Fait que, tu sais, d'un fois, c'est juste un déclic qui se fait. Ouais, ouais. Puis finalement, tu gagnes, puis OK, là, 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 là ça part, puis, ça, ça va bien. Mais, t'sais, quand tu sais, quand, quand tu passes une série de défaites, là, là, tu, tu, tu te demandes... Parce si, que le, le calibre de, 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 de cet gars là t'sais, La différence entre, mettons, le dixième e meilleur au monde puis le 12e meilleur au monde, ça doit être tellement mince, là il y en a pas je te dirais tu sais le classement c'est un, un peu c'est funny là, parce que les cinq les cinq les, le top 5 sont là avec raison après ça ça pourrait être n'importe qui okay. ouais ben entre guillemets là mais tu sais c'est le 10e le 10 <laughs> pourrait être le 6e le puis le 12e le, le pourrait être le 7e tu sais ça change rien là t'sais, les puis ceux qui font les classements, c'est souvent du monde qui sont même pas dans le monde du MMA. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment controversé. Les... C'est vrai. Oh, c'est ouais. qui euh, qui fait ça? Aucune idée. Je, je sais c'est qui, mais j'ai pas les noms. C'est pas du monde qui sont. c'est pas des journalistes qui sont renommés dans le monde des arts martiaux, okay. dans le sport, des choses comme ça. Il y en a qui sont. Ça peut être est... un gars de boxe, un gars de. C'est ça, des, des, des fans de sport, des choses comme ça. Mais c'est vraiment. C'est bizarre. Puis ça, ça fait longtemps que c'est controversé, les, les, les classements du UFC. Puis il y a souvent du favoritisme là-dedans, des, des choses comme ça. Sauf que, tu sais, dans les top 3, dans chaque catégorie ou les top 5, c'est dur de. c'est dur de, 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 de frauder ça. Après ça, ben. T'sais, je veux dire, ça sert au gars s'il veut négocier un meilleur contrat ou des choses comme ça. Il dit hey, Regarde, moi, je suis sixième au monde là, dans si c'est plus là-dessus, mais comme tel, tu sais, quand tu suis ça, tu t'aperçois d'un fois que les classements, ça n'a pas de bon sens. Puis à l'époque, là, je pense que ça a changé, mais à, à, à cette heure, les, les gars dans l'UFC ou les filles dans l'UFC, ils ont-ils le droit d'aller chercher leur propre commanditaire? Non. Ou... Mais à l'époque, vous non. aviez le droit? Mais oui, à l'époque, on faisait, on faisait la pièce. Fait que c'est de même ça. que vous viviez? ben oui. Écoute, en, 2000, en 2007, 2008, 2009, là, euh, les commanditaires garochaient de l'argent, ça n'avait pas d'allure, que ce soit avec des des des, euh, des, chandails, des vêtements, des suppléments alimentaires, euh, des choses comme ça. Puis pour eux, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec les commanditaires dans ce temps-là. Puis il euh, y avait toujours une façon, il euh, y avait toujours euh, une réglementation, mais euh, tant que le commanditaire payait une une cote à l'UFC pour avoir le droit de s'afficher, ben, tu avais le droit de mettre ce que tu voulais. Okay. Donc, euh, fait que, on faisait beaucoup, beaucoup d'argent dans ce temps-là. aujourd'hui, ben, tout le monde est pogné avec Reebok avec une échelle salariale qui ne peut pas dépasser les 40 000 si tu es champion du monde. Fait que, puis ça va au nombre de combats que tu as fait au UFC aussi. Euh, c'est sûr que c'est moins. Euh, tu as deux choses là-dedans. Si, tu vas faire moins d'argent, mais si tu es un nobody, tu vas au UFC. Euh, tu, au moins, tu n'auras pas à courir après ton argent. Oh, ouais. Parce que moi, je me souviens, quand je suis revenu au UFC en 2012, euh, je t'ai quand même connu déjà, puis il euh, y a des commanditaires qui ne m'ont jamais payé, puis, sont disparus, puis euh, ils ont disparu, puis je ne suis pas, j'sais ah, pas ouais. tout seul, mais il y a des compagnies qui ont, qui ont disparu, puis ils n'ont jamais payé le, le, le fighter. Au moins, tu as une sécurité d'être payé avec Reebok. Euh, sauf que... Les commanditaires, ils payaient pas avant? Non. Christie, c'est une business weird. Euh... Ouais. Comment il payait tout le temps après. Euh, puis euh, il payait aussi beaucoup plus si tu étais sur le pay-per-view ou si tu étais dans un combat pré ouais. Des choses comme Master, ça change plus ça, rien. Ça coûtait combien, mettons? Euh, euh, tu sais. Euh, que que t'arrives avec le t-shirt, de, 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 un logo sur, euh, sur ton t-shirt? Bien, souvent le t-shirt c'était était uni, juste une, une, une compagnie. Euh, tu quand je me suis battu pour euh, championnat du monde, c'était One More Round, le, le chandail le plus laid que j'ai jamais porté de ma vie. Là. Il y avait une espèce de panthère en diamant, puis c'était marqué Predator en bas. C'était okay. dégueulasse. <laughs> Sérieuse, ça avait pas d'allure. Puis euh, ce chandelier là il a été mis à vendre après. Il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ah ouais? <laughs> Tellement qu'il était laid. Même pas les, les collectionneurs. Il était horrible. Mais quand même, je pense qu'ils me donnaient 40 000 pour porter leur chandail. Okay. Hein. Fait que. C était, c était, puis avec, mais souvent, c'était des, con, des contrats de plusieurs combats avec les, les commanditaires. C'était rarement un one-shot deal. Puis non? eux autres, euh, mettons. Il fallait qu'ils payent un, un peu à, euh, au UFC ouais. aussi ou c'est toi qui donnais une cote? Non, c'est au eux autres qui payent. Comme Echo, Echo Unlimited, qui est une compagnie de linge de, 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 de Yo. De, mm. de Echo Limited, tout le monde sait c'est quoi. Euh, moi, j'ai été commandité par eux autres pendant longtemps. Puis eux autres, fallait qu'ils donnent, je pense, 150 ou 250 000 par année au UFC pour avoir le droit de s'afficher sur le combattant. Donc, ils pouvaient s'afficher sur n'importe qui après. Fait qu après avoir donné 250 000$ au UFC pour avoir le droit de s'afficher, mais après ça, il fallait qu'ils payent les combattants pour s'afficher sur eux autres. Ça, tu ne pouvais pas avoir des petites compagnies qui, euh, qui, qui voulaient, genre, te dépanner. quand tu te dépannes, tu te de 2-3 000$ par là, on va s'afficher parce qu'eux autres, il fallait qu'ils payent une, une, un pourcentage au UFC. Fait que dans une année, tu pouvais aller chercher combien de commandites? Ma meilleure année que j'ai faite en commandite euh, au UFC, c'est peut-être aller chercher un 100. Cent... 160 170 000. Okay. C'est arrivé une fois, puis c'était vraiment dans, dans mon pic dans ma meilleure année, là, en 2007-2008. Puis t'étais-tu incorporé aux États ou au Canada? Euh, au Canada. Okay. Au Canada, parce qu'on était payé aux euh, Américains par une compagnie américaine, puis après ça, ben ça se trans tu payes tes impôts américains, mais ça se transforme en crédit d'impôt, puis après ça, tu es capable d'aller chercher okay. là-bas. Là. Ok, tu payes, euh, mais incorporé. Oui. Fait qu'incorporer là-bas, tu payes là-bas, ils te remboursent ici. C'est ça. Ils ben, okay. t'enlèvent directement ben, sur ton chèque de paye. Dans le fait. OK. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça m'a ça tout le temps fasciné, ça, euh, quand le, le monde, euh, comme vous autres, tu sais, qui, qui, mettons, tu es, es, es Québécois, mais ton cash, même, même quand tu te battais au Centre belle tu étais payé en US. Oui, tout le temps. Sauf que... Quand étais payé, quand tu te battais au Canada, ils t'enlevaient pas tes taxes directes sur ta, sur ta okay. bourse. Fait que là, après ça, ça tout, fallait que tu, assez intelligent pour savoir qu'il fallait que tu payes des, des, des impôts là-dessus. Oh, ouais. là. Sauf que aux États-Unis, c'était plus facile de l'enlever directement sur ta, sur ta paye. Puis il y avait vu que c'est au Canada, il fallait -tu que tu payes tes PSTVQ ou non Non, non, okay. non, 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 non. c'est une compagnie privée, fait que tu, 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 prenais, tu payais tes impôts normaux. En fait. Ok. Moi, ça moi, je, moi ça me, ça me... Ça m'a tout le temps fasciné. Puis là, je te posais cette question-là, vu que là, nous autres, avec le podcast, on a YouTube, mm -hmm. qui, euh, qui est une compagnie américaine, qui, qui nous envoie un chèque à chaque mois. Puis là, je me demandais, c'est où, hostie, que, <laughs> comment ça marche? C'est eh où oui. que je paye? Fait que là, je me suis dit, quoi de mieux que de demander une enquête J'en ai aucune idée, parce qu'il y a quelqu'un <laughs> qui faisait ça pour moi aussi. T'avais-tu euh, un... C'est un comptable québécois? Oui. Je, je te prends un plus un fiscaliste. Ouais. OK. Parce que moi, j'ai mon comptable, mais vu qu'il ne il, il fait jamais affaire avec les États, j'ai un podcast anglais, que là, 100% de mon argent mm -hmm. vient des États. Fait que je voulais juste être sûr de ne pas être dans rien. Il y en a dessus, il doit y en avoir des, des jeunes fighters, mettons, qui se battent au Canada, qui ne réalisent pas euh, que, tu il faut, il faut que tu payes l'impôt. Fait que là, le, ils reçoivent le 10 000. Mm -hmm ils réussissent à payer leur monde. Ils sont comme « Yes, il me reste euh, 5000. » Puis après, ben ils oui. dépensent puis ils réalisent ben, que... Il y, 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 y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui, qui... Même qui se sont battus au UFC aussi au Canada puis euh, ils, ont, ils pensaient pas payer euh, des impôts là-dessus, quoi de même. Puis à la fin de l'année, ils se font ramasser. Là. Fait que... C'est une, connaiss... ben, une connaissance. Est-ce que l'ignorance est une excuse? Je pense pas. Oh. T'sais, mais t'sais, en même temps... T'sais, faut que tu sois conscient de qu ce que tu fais et qu'est-ce qu'il faut que tu payes aussi. J'ai l'impression que les, y a, on entend moins parler d'anciens UFC qui font faillite que, mettons, anciens joueurs de football. Euh, puis je sais pas si c'est une, une raison de. Ben, écoute, t'sais, t'sais, les anciens joueurs de football, ils ont fait des millions. Fait, quand tu l'échappes, tu l'échappes solide. Ouais, il y a ouais, pas ouais. mal plus que ouais. quelqu'un qui a fait un. 42 000. Sais, 42 000 dans ouais, un combat. Ouais. puis je pense aussi que. T'sais, moi, je ne l'ai pas échappé parce que je n'ai vu justement qu'ils se sont plantés. Euh, je prends juste Frank Triggs. Frank Triggs, il s'est battu au UFC euh, pendant des années. Il s'est battu deux fois pour le championnat du monde. Puis euh, aujourd'hui, euh, il est dans la rue. Là, parce qu'il qu a fait des mauvais choix ou whatever. Fait, tu, me, tu te me dis, hey, moi, je ne veux pas finir de même. Là. Fait euh, il faut tu places tes pions, puis en même temps, ça revient à ce que je disais. Quand tu finis ta carrière t'as plus rien, mm. t'as pas de pension, t'as pas, pas rien, tu t'as pas de, t as, t as rien, ouais. fait que faut que tu sois assez diligent pour dire à ça va arrêter là. Puis fait, ta carrière finit jeune, c'est ça qui est fréquent. Ça peut se finir demain une athlète, aussi, ouais. une blessure autre quoi de demain, ouais. tu te fais tu t'as des syndromes de, de commotion ou whatever, tu... ça, peut, ça peut se finir là, demain matin. T'as-tu fait bien euh, des commotions cérébrales dans ta carrière ben médicalement non. Okay. Euh, parce que euh, je me suis jamais fait Naker comme tel hein, en 15 ans euh, Je me suis fait frapper, oui Mais euh, après ma carrière, j'ai passé euh, 4 mois Avec un neurologue à faire des tests euh, Vraiment pour savoir si j'avais des, des, des symptômes, des problèmes, des choses comme ça Puis le problème, c'est que souvent les boxeurs Puis les combattants d'armes Martial Mix ne veulent pas le savoir parce qu'ils ont peur de, du diagnostic qui va arriver. Ouais, ouais. Mais moi, j'étais plus, okay, je veux le savoir, j'ai quoi à faire maintenant, tu sais, puis si je ne veux pas virer légumes dans trois ans, puis, puis être capable de, je ne sais pas, faire les devoirs de ma fille quand elle va être à l'école, comment. Hein, tu si sais, je veux être capable de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis finalement, on a fait des... On a fait des des, des, une batterie de tests, on a fait vraiment, vraiment beaucoup. Là. Puis finalement, puis moi, j'étais allé, allé le voir en premier parce que ma mémoire à court terme, je trouvais qu'il y bien des affaires que je ne me souvenais pas, que je voulais faire, genre cinq secondes avant. Fait que, je voulais prendre, euh, mettons, je voulais aller me chercher un verre d'eau, puis là, je voulais, OK, je vais texter quelqu'un avant. Puis là, je Qu'est-ce que je voulais faire, là? Puis là, je pensais, je pensais, puis ça, ça revenait, OK, c'est vrai, là, il faut que ch chercher un verre d'eau, quoi, demain. Ou bien non, euh, je rencontre quelqu'un, puis le lendemain, ben, ma femme, elle a dit, OK, tu te souviens-tu de, de Michel hier? Je dis, Michel? C'est ça. Elle dit, le gars, avec le chandail noir, là c'est Michel, ça, on n'a aucune idée, a dit, on a parlé pendant une heure, aucune idée, <laughs> fait que, fait que finalement le diagnostic était plus que je m'en foutais que okay. j'avais des problèmes, oh. <laughs> des problèmes un, de manque d un manque d'intérêt, un manque d'intérêt complètement, exactement, je <laughs> <laughs> suis safe là-dessus. <laughs> mais ils ont tu vu, ils ont juste vu des mini, euh... ben c'est sûr, tu sais moi, pas juste les combats, j'ai 15 ans de carrière de sparring, de coup de poing sur la tête, oh. fait, fait c'est beaucoup plus pour ça que je t'allais voir, mais euh, les, les tests ont sorti que tout allait bien, euh, mais qu'il y avait toujours un suivi à faire. Puis dans trois ans, je pense qu'il faut que je retourne passer des tests, des choses comme ça. Mais... C'est-tu quelque chose qui. Euh, bien, ça doit être quelque chose qui fait peur. Si tu es allé. Euh... Ben oui. Ben écoute, je pense que ça fait plus peur si tu es fait knocker une coupe de fois. Oh, ouais. euh, moi, je me suis jamais fait knocker, puis j'ai pris, pris la décision personnelle d'aller checker quand même. Je pense que ceux qui se sont fait knocker une coupe de fois, ils ont peut-être plus peur de savoir le résultat. Mais ben, bon. moi, je ne sais pas. Moi, je voulais savoir si j'avais de quoi à faire, ben, je l'aurais fait tout de suite. Puis c'est quoi que tu aurais pu faire, par exemple? Euh... ben tu aurais pu faire. Euh, écoute, il y, y a plusieurs traitements qu'ils font. Présentement, ils font beaucoup de, de tests avec le CBD. Euh, okay. Post-commotion, post-trauma -tra, post aussi. Ils sont en train de faire des tests là-dessus euh, pour, euh, pour euh, régénérer les cellules du cerveau, des choses comme ça. Euh, ils vont faire des tests, euh, des tests neurologiques. D'euros dans, dans la tête, aussi, des choses comme ça. Il euh, y a plusieurs choses médicales que tu peux faire, euh, mais euh, écoute, quand, quand tu as, un, as une commotion, c'est que ton cerveau touche à ton crâne, puis tu as une partie du cerveau qui meurt. Mmh. Mais le cerveau va toujours se, se renouveler par après, mais il faut que tu fasses les bonnes choses. OK. Puis toi, pour là, là ta carrière de, de, de gars de télé, ça, t'as-tu, euh, t'es-tu allé prendre des cours pour ça ou tu l'as appris vraiment sur le tas? Je l'ai appris sur le tas jusqu'à un certain moment donné, je pense que c'était en 2000, 2000, euh, 2011, je pense, je suis allé prendre des, je des cours d'addiction. Okay. Euh, juste pour apprendre euh, mon débit, ralentir mon débit, parce que j'avais une feuille, puis il fallait que je dise tout en une phrase quasiment. J'ai appris à ralentir mon débit, j'ai appris à, à pas dire tout le temps les mêmes mots, j'avais des mots sécurité. Là, fait que, je me réécoutais, je me tapais ses nerfs Je me disais, okay, va-tu finir par arrêter de dire ce mot-là? Je euh, suis allé prendre des cours d'addiction de juste pour ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Là. Puis, écoute, Comment t'as fait pour euh, les, les autres mots? T'as juste googlé synonyme de <laughs> ouais, le mot ça. que utilisais ben, tout le temps? J'ai amené mon petit dictionnaire de synonymes, des choses comme <laughs> ça. Non, mais écris. J'ai écrit, écrit plein de mots que, qui, qui, qui avaient relation avec elle, le mot que je disais tout le temps. Okay. finalement, mais ben... Oui, tu, là, t'as dit relation, mais t'aurais dit rapport ouais. avant de te. <laughs> <laughs> ça se peut bien, exact. <laughs> Mais moi, moi, moi je devrais faire ça parce que moi, j'ai un vocabulaire dégueulasse, là. Puis, euh, je devrais <laughs> travailler là-dessus. Ben, je pense que ça marche bien jusqu'à date, là. Donc, euh... Ouais, attends, <laughs> ouais. À date, c'est m'en Peut-être que ça marche mieux, le <laughs> fait que <tu rire> oui, je parle mal. moi. je change de sujet, mais tu tu parlais de la douleur, les, les ça, là. Mm -hmm. Toi, la douleur, Chris, tu sens mm -hmm. rien. « Ah non, j'ai mal. J'ai mal à tous les jours. » Parce que, <laughs> mettons, moi, je me pète un orteil, je suis dans la... Marme. Je fais hey, « Ah, je n'ai pas deux heures. » Non, eh, écoute, le ai... pire, c'est... Premièrement, moi, je me suis fait opérer dix fois. Et huit fois dans les deux genoux. Et onze fois. Deux, sept fois dans les deux genoux, je me suis, fait ca me suis fait cassé la main. Je me suis cassé la main deux fois. Je me suis fait nettoyer le coude deux fois aussi. Qu'est-ce que euh, ça veut ben, dire, nettoyer ouais, le coude? Euh, parce que tous les boxeurs ont quasiment ça. C'est qu'à force de frapper, ben, le coude est fait comme... C'est comme un engrenage qui rentre dans deux trous comme ça. Puis à, à force de frapper, puis à force de t'entraîner, puis nous autres, on donne des coups de coude aussi, c'est qu'il y a du calcaire qui s'en va dans les trous. Fait que okay. le bras, il ne déplie plus. Okay. Fait que là, ils ouvrent, puis ils vont nettoyer ces deux trous-là pour que l'articulation la, 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 puisse rentrer Elle dans revienne, le bon trou. Exact. Euh, fait que, tu sais, je me suis fait opérer souvent, mais, tu sais... Ma, ma femme elle, je, mettons j'avais un point noir dans le fond là dans le front là, puis là elle voulait me le péter là, ouais, là, je non. criais au meurtre la capote là, là tu oh, reçois des coups de poing dans la face de ouais, en fer fait, la gueule genre restez, <laughs> ça m'énerve ça m'énerve touche moi <laughs> là, dit, fait... Non, non je je des. puis tu sais je me lève à toi matin j'ai 39 ans mon corps en a peut-être 70. tu sais c'est okay. le, corps, le corps est usé là. Mais le, le fait là de, de euh, est tu t'entraînes encore. Est-ce mm -hmm. que tu fais encore du sparring? Non, okay. très je roule avec les gars au sol en Jiu-Jitsu brésilien. Ça veut dire que c'est. n'y a pas de frappe. C'est juste, juste des positions. Puis on essaie d'aller chercher des soumissions, les, des, des étranglements, des, des choses comme ça. Je fais de la lutte avec les gars aussi. Mais tu sais, des coups de poing sur la tête. Moi, j'ai pris ma retraite pour éviter des coups de poing ça, sur la ouais. tête, exact. j'en ferai pas pour le fun. J'étais payé pour le faire, j'ai pris ma retraite, j'en ouais. ferai pas gratis non plus. Là. Puis quand euh, euh, là t'as rouvert ton propre gym. Ouais. Euh, c'est quoi le nom, ton jeu? C'est le santé XPN qui est sur le boulevard des Promenades, juste à côté du, euh, des Promenades Saint-Bruno, dans le fond. OK. Où est-ce que le Golf Town? Mais le monde, ils savent plus c'est où quand je parle que la SAQ Dépôt. Donc, on est juste en face okay. de la SAQ Dépôt. Le monde allume un petit peu plus. OK. C'est bon que ton, ton public mmh. cible ouais. est plus, <laughs> plus <laughs> alcoolique <Exact>. que golf. <laughs> ça, ça fait combien de temps que tu l'as ouvert? Ça, fait, ça va fait deux ans au mois de janvier. Là. OK. Ouais ça si tu un -tu un c'était-tu un plan de de vraiment ne pas avoir tous tes œufs dans, dans le même panier vu que là tu sais euh, travailler à la télé mm -hmm. ça aussi comme c'est comme une carrière d'athlète tu peux ça peut partir euh, ah oui. n'importe quand. S'il y a rien, y a aucune sécurité là-dedans. Puis en plus, moi, je suis pas sur le payroll. Je t'ai engagé par le UFC, je suis engagé par la compagnie américaine pour faire ça. Okay. J'ai jamais été engagé par TVA Sports ni par RDS. D'autres, on a juste suivi la, la, la job où ce que les droits ont été achetés. Okay. Donc, euh, mais tu veux ça. Tu veux être engagé par la compagnie américaine et non pas par la compagnie canadienne euh, pour plusieurs raisons, surtout monétaires. T'es-tu encore payé en US, vu que c'est eux autres? Euh, J'étais payé en US jusqu'à l'année passée. Cette année, ils me payent en canadien, mais ils ont fait la, 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 la conversion. Ah, la c'est le fun au bout. Ça, exact. Hein? Fait que, tu ça, ça, tu veux ça. ça Je suis bien content pour ça. Ça va juste faire chier si le dollar canadien rattrape l'américain, que là, automatiquement, tu... T'sais, tu j'ai gagné 30 de moins que l'année <laughs> passée. Ça se peut, mais je pense que, euh, écoute, je, on a un contrat encore pour 4 ans. Là, ça m'étonnerait que ça arrive. Là, mais bon, écoute, on verra bien. Là, mais, tu sais, je pars à plaindre. Puis, euh, pour revenir au, au centre, c'est un projet. on est cinq chums qui ont parti ça ensemble. OK. Puis, honnêtement, faire de l'argent avec un gym, là. Il ne faut pas tu penses devenir millionnaire avec ça. Là. ça. On a fait ça parce qu'on est passionné d'entraînement, de, on est passionné de sport, puis on voulait partir un projet qui nous ressemblait à nous autres. Puis on a parti sans XPN, puis c'est exactement ça qui est aujourd'hui. Euh, puis écoute, faire rouler un gym, ça te prend de l'air. Faut que tu fasses une bonne clientèle, il faut que tu roules, faut que tu roules, faut que tu roules, puis il faut que tu un bon concept. On l'a, puis là, présentement, ben là, ça commence à aller super bien. Puis aussi, j'imagine pour toi. C'est ben c'est un peu comme moi, c'est un peu le même principe que nous autres au bordel. On s'est mis six mm -hmm. pour partir ça pour avoir une place cool pour euh, aller faire nos affaires. Euh, toi en plus, vu que tu vis pas loin de là, c'est mieux pour toi euh, aller t'entraîner là. Ben écoute, moi j'ai mon bureau là. Ça me donne une excuse pour... Ben, pas une excuse, mais tu je rentre là, je fais mes autres affaires, je m'occupe de mes autres business dans mon bureau. Puis quand je sors, ben, je serais bien innocent de ne pas m'entraîner. Je suis là, là, de toute façon. fait que ça me donne ça peut-être un coupé dans le cul pour rester actif et m'entraîner, des choses comme ça. -tu le genre, mais tu n'as pas de l'art de genre de gars que même si tu n'avais pas ça, tu serais actif. Tu sais, n'as pas de l'autre de genre de gars que... Tu sais, qui, qui ferait... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, oh, j'ai regardé puis la télé j'ai mangé des chips. T'sais. Ça arrive des fois, mais... Moi, tu sais, moi, j'ai haï dormi. <laughs> j'ai hâte de ah, me ouais. réveiller le matin pour partir ma journée. Moi, je me lève à 10h. Même si j'ai pris une brosse la veille, là, à 7h30, mes yeux ouvrent. Je suis okay. magané, mais je vais me lever et je vais faire ma journée. Parce qu'à 10h, on dirait que j'ai perdu ma journée. Puis, c est, c est dans ma, je sais pas si dans ma mentalité, peut-être que j'ai fait l'armée ou whatever. Mais, euh, puis... J'ai tellement de, de branches dans mon arbre qu'il y a des affaires qui ne se ressemblent pas partout. Tu sais, j'ai un, un, un centre sportif, je travaille à la télévision, je donne des conférences, euh, je suis dans une boîte de management qui s'appelle PPS Canada aussi, qui s'occupe de ma carrière, euh, dans ma carrière plus médiatique aussi, qu'on me place dans des, dans des, dans dans la télévision, des choses comme ça, euh, par le side, ben je suis en train d'acheter peut-être une, co une compagnie de, de CBD, une compagnie aussi de, 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 de sécurité avec des partners. Okay. Ben, je suis comme un petit peu partout, puis ça, ben ça fait que ça me garde ça me garde bien ouvert. En plus, je suis en train de me construire une maison qui est beaucoup de gestion. Ben, je ne pensais pas que c'était de la gestion tant que ça, mais c'est à tous les jours, il faut que tu fasses des choix. Puis euh, c'est ça. Puis en même temps, ben, je sais, je suis un, un père qui est ultra présent aussi pour ma petite fille. Fait que, non, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour m'asseoir et regarder la télé. Ta blonde, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est infirmière. OK. C'est sûr que quand ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Quand on a commencé à être ensemble, j'étais encore actif. Je revenais à la maison souvent ma là, puis elle était capable de me réparer. Elle savait ce que tu avais. Exact. Puis ça, ça, toi, c'est quoi tes futurs projets? Parce que là, t as, t as ton, as ton. Dans le fond, tu viens de le répondre, ta, ta compagnie de CBD que t'as jeté. Mais c'est quoi que tu, tu tu fais pas là que tu aimerais avoir dans une couple d'années? Ben moi j'ai jamais eu euh, depuis que je suis sorti de l'armée j'ai jamais eu de sécurité financière j'ai tout le temps été un travailleur autonome puis il y a une raison pour ça parce que dans, moi je suis sorti de l'armée parce que la, la, la discipline je n'étais plus capable là, pis, euh, la discipline dans l'armée souvent c'est incohérent là, parce que c'est pas nécessairement le meilleur qui va te dire les bonnes affaires c'est là que c'est le gars qui est le plus longtemps qui est là mais euh, me placer comme il faut puis j'ai quand, quand même été assez intelligent dans mes placements et dans les, les choses que je fais mais tu sais, pour moi aujourd'hui, c'est la sécurité financière de ma famille. T'sais, moi, je suis capable de dormir en dessous d'un sapin, là. ça ne me dérange pas, puis je vais être bien correct avec ça. Mais tu la sécurité financière de ma famille, puis tout le temps d'improver, puis de, 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 de trouver des, des nouveaux projets comme je fais aujourd'hui, puis, euh, puis je vais chercher des, des nouveaux partenaires, puis avec des nouvelles, des nouvelles, des, des nouvelles choses. Puis, grandir avec le PPS Canada qui est ma boîte de gérance qui est tout nouveau maintenant. Ça fait même pas un an que je suis avec eux autres, puis on, on développe des choses assez intéressantes au niveau, euh, niveau télévisuel. Okay. Puis ça va être quand le, le combat que tu parlais avec euh, la, la boxe C'est le 20 euh... septembre. Okay. C'est le 20 septembre, ça arrive bientôt. Puis c'est C'est con... où? Euh... C'est au centre Pierre Charbonneau. Okay. C'est euh, un combat de boxe pour euh... C'est dans une carte de New Era, New Era qui est une, une nouvelle promotion sous la licence de, du groupe Jim de Yvon Michel. Euh, Ce qui est des vrais combats, c'est des combats, c'est une carte de boxe et de combats de, de, de combats MMA. Il euh, y a cinq combats d'art martiaux mix, puis le reste, des combats de boxe professionnels. C'est des vrais combats de boxe, euh, à part le nôtre, qui est un combat d'exhibition. Mais nous, on fait ça pour attirer beaucoup plus de monde au Saint-Pierre-Charbonneau, parce qu'on donne la moitié des, euh, des recettes de la soirée au défi sportif Altergo. Le défi sportif Altergo, qui est la plus grande euh, réunion sportive au Canada. Qui, euh, qui, euh, qui met en place des athlètes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Okay. Et c'est la plus grosse au Canada la, de réunion sportive. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le défi Alterago, le défi sportif Alterago. Puis nous autres, on veut mettre la, la. on veut mettre la lumière sur ça, de Hugo est euh, porte-parole. Et moi, par la bande aussi, je suis devenu porte-parole de ça. Puis euh, on veut aussi attirer beaucoup plus de monde pour que. La relève d'aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui vont se battre sur cette carte-là, plus se battre devant une, une salle ouais. quand même pleine parce que se battre devant des bancs vides, ça m'est déjà arrivé en début de carrière, ouais. c'est plate à maudit quand oh tu ouais. sens, quand tu entends tes pieds dans le ring là, il y a rien de le fun là-dedans. Là. Oh okay. ouais. <laughs> hey, mais Hugo pour vrai, c'est quand même tu sais c'est un c'est un athlète aussi, mais il faut être brave en esti de tu sais de manger des coups de poing sa gueule <laughs> par un gars que sa job c'est de manger des coups de poing sa gueule. Mais, Honnêtement, on va là pour avoir du fun. Deuxièmement, c'est un combat d'exhibition, ça va finir nul, c'est sûr et okay. certain. Mais tu, les... vas, tu vas te donner à 30 Non, maintenant. non, on, je veux dire, si je manque la cible, je suis rendu vraiment mauvais. Il paye 340 oh. livres, là, fait que <laughs> la, la cible va être là. T'sais. Mais t'sais, je pense qu'au corps, pis, euh, on, je, 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 je vais frapper toutes mes forces au corps. Il n'y a pas de problème. Ah, ouais? avec ça. Mais on est des plus gros gants. Moi, ah, je vais ouais. des 16-11, je va emporter des 22 parce que les gants ne rentraient pas dans les 16-11. Okay. Il fallait qu'il fasse des gants sur mesure pour lui. Mais euh, on va là. Faut, faut, on va là, on est deux athlètes à retraite, mais deux athlètes fiers. On va donner le meilleur spectacle possible. Je sais qu'Hugo, il s'entraîne depuis un mois assez, assez très, très fort pour avoir l'air d'un boxeur. Juste pour ne pas avoir de la gêne. Exactement. Te... Mais on ne va pas là les deux pour perdre notre crédibilité. Puis on va pas là les deux non plus pour euh, snarker, pour, pour puis... mais On va là pour donner le meilleur spectacle possible. Mais il faut jamais oublier qu'on fait ça pour l'organisme ouais, de ouais. Stéphane aussi. Toi, mais... tu t'entraînes-tu à la boxe de ce temps pour ouais, être prêt ouais. pour ça? Oui, ouais, ouais. Euh... puis... Le timing, c'était juste pour trouver le timing, puis être capable de donner un, un bon spectacle aussi. T'sais, on se mentira pas que c'est pas mal moi qui va l'aider le, ce combat-là. Fait que si, si, si je veux me faire frapper, ben je vais me mettre dans un corps, il va me frapper. si je veux pas qu'il me frappe, ben il ne me touchera pas. C'est ça. Sauf que. Est-ce que vous euh, allez porter euh, des. des euh, du headgear? Non. Ou non? Okay. non, non. C'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe d'exhibition, mais, mais sans sans casse. Puis euh, puis c'est pour amener. Puis il y a beaucoup de curiosité autour de ce combat-là, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, quand tu commences à lire les, les, les commentaires sur les réseaux sociaux que hey, c'est l'homme le plus fort du monde, s'il touche la cible à 340 livres, côté, il est fait, ou bien ça vient de l'autre bord et il dit voyons, côté, il va le manger tout rond parce que, il, parce que Hugo n'a jamais fait ça. C'est sûr que... <laughs> c'est comique, mais la curiosité va amener le monde à cette place-là, puis c'est ça qu'on veut. On, veut on dirait que c'est le genre de commentaire du UFC 1. Oui, c'est exactement encore, ça. Encore une fois, c'est ah, ça. Oui, ben mais tu sais, oui. ça n'a pas beaucoup changé depuis ah. le UFC 1, les commentaires, je te dis. C'est encore le même. Hey, mais, ben, merci, euh, merci beaucoup euh, d'être venu. Ben, c'est moi qui t'en remercie. Euh, cool. euh, pas bonne chance, ce combat-là, mais euh, euh, <laughs> amuse-toi dans ce combat-là. On va avoir du fun, puis euh, on invite tout le monde, puis c'est pour une bonne cause. C'est quelle date encore? Le 20 septembre. 20 septembre. Si j'ai rien, je vais, je vais y aller. un vendredi. Va, je vais créer des obscenités. Ben, à qui? <rire> à <rire> tout le monde. À tout le monde. Je vais insulter <laughs> tout le monde. <laughs> yes, okay. Merci. Hey, merci. Si euh, tu aimes le show, mais t'aurais aimé ça l'avoir avant, parce que, euh, on a parlé pendant un bout de temps du combat que Pat Côté a fait, où, mais on disait « Hey, tu vas faire, tu vas faire », puis finalement, tu l'écoutes, es comme « Tabarnak, ça fait deux ans qu'il s'est battu ». Va sur patreon.com slash sous-écoute. Tu vas voir les épisodes le lendemain qu'on les fait. Ou si tu prends l'abonnement live, tu vas l'avoir live. Fait qu'il n'y aura pas de niaisage. Tu vas te tenir à jour. Euh, Puis c'est pas cher. Ça coûte de une, une pièce à 25 pièces. 25 pièces, c'est un peu cher. là. Mais il euh, y, y a un forfait à une pièce pour avoir les épisodes, les archives. 2$, pièces, l'épisode audio. 3$, pièces, tu tous les épisodes vidéo. 5$, pièces, tu as les lives. Et 25 pièces, tu as ton nom au générique. Ça vaut vraiment la peine. Pour 25 pièces, tu deviens le producteur du plus gros podcast euh, francophone euh, de la planète. Humoristique, il y en a, il y en a sûrement des plus gros. C'est Radio Cannes avec les millions qui mettent à style, c'est clair qu'il y en a des plus gros. Mais... Donnez-moi de l'argent. <laughs>